Caméra numéro 2. Caméra numéro 3. Synchro caméra 1, 2, 3. Et on lance l'audio. Ça m'est arrivé, tu vois, de bugger. Bah, d'ailleurs, la semaine du précédent, le gros bug. D'avoir oublié de lancer l'audio. Non, mais tu rigoles ou quoi, toi? Même les caméras, faut se faire une checklist. Caméra numéro 4. Ah, la caméra numéro 4, elle arrive. Ah, mais c'est moi qui. Moi, j'ai la numéro 5. Même. Ah, ouais. Par contre, toi, comme c'est de la 3D, je pourrais pas l'exploiter. Si? Oui, mais j'ai pas le logiciel pour. Je peux pas. Enfin, dans mon logiciel, je pourrais pas intégrer les images. Par contre, à partir de ce que je pourrais récupérer, enfin, on va voir comment on fait. J'ai une petite idée de ce qui peut se faire. Alors, le technique, elle est lancée. Ça part devant ? Non, ça on va le mettre là. J'avais pris en photo le ramètre. C'était noté. Bon, monsieur Johan, je prends ça ici. Ça, je vous la laisse derrière dans l'immédiat. Et je le prendrai. Ma tablette, elle sera prête pour la fin du vol. Tu pourras la récupérer pour la fin du vol. Je vais rentrer sur lieu, Joigny, Echo, Londres. Bah, de toute façon, c'est ce que je t'avais marqué là, ouais. Ici. Là. Tu l'avais noté? LFE. Tout est noté là. LFGF, LFE. Mais j'ai pas mis LGF directement. Ici, LF. Bah, ou remarque. Ouais, LFW, ça dépend, parce que... LFGK. Ouais, c'est comme tu veux. Mais sinon, rentre-le parce que ça donne un axe de retour vers le Morvan. Ok, on va aller rentrer. Tu vois ce qui fait qu'avec ces deux points-là, tu fais toute la partie rallye essentielle. Quoi. Ok. Et si à tout moment dans le rallye, tu te sens paumé, tu rejoins le trait et tu es terminé. Oh, je suis paumé, je te demande. Visite prévol effectuée, barre de traction enlevée, aura mètre noté, document rangé disponible. La pochette de l'avion, elle est toujours avec nous, la pochette? Ouais, je viens de la ranger derrière. Ouais. Siège réglé verrouillé, frein de parc serré, volet rentré, sélecteur essentiel central, réchauffe carbure poussé et verrouillé, mélange riche, toute servitude électrique sur off, avionique master sur off, les disjoncteurs à gauche c'est bon, tu regardes les disjoncteurs à droite s'il te plaît. Les disjoncteurs à droite, regarde bien. Ils sont bien enclenchés. Comme il faut, ouais. Et les deux sont donc, comme il faut. Ça se sur on. Oui, on a dit j'ai 1h30, j'ai 3 heures de vol. Balise de détresse sur arme, défaut anti-collision sur on. Ceinture attachée. Donc mise en route, je fais deux injections, je pousse 1 cm. Personne devant. Personne devant. Le mic, décollage 20 airbag planeur. Voilà, comme ça c'est mieux. Je vais continuer. Donc là 76, bon, je vais dire j'ai 100, j'ai 20, 120, 100, 109 là. 110, donc ça fait plus 30, 110 plus ça fait 140, non, 60. C'est 40, bon là c'est 40 litres, 40 litres, il y a 30 litres ici, plus 110 ça fait 100, 130, 140, 140 plus 10, 150, 155, entrée, continue, ah, c'est approximé. Donc flight plan, on est à... Donc LFGI. LF Golf. Golf India. LF Fox Golf India. Ensuite, tu m'as dit Pascal. LFGF. LFGF Fox. LFGF Golf, Golf Fox, c'est Challenge, c'est ça. Ensuite. LFEW. LF Eco Whisky. E. W. W. Voilà, IRD, d'accord. C'est Juliette Charlie. LF, Juliette. Juliette Charlie. Jésus-Christ. FC, on est d'accord. GK. Pardon? GK. Golf Kilo. Lima Fox.
Golf Kilo, c'est Joigny. Joigny. Oui. Et ensuite tu mets BRI pour Brie Le Vore. Oui. R. Là. Brie sur 7, c'est celui-là. Et ensuite tu mets PLE. Ah ouais. Ah non, c'est d'autres. Ah non, Echo. Echo. Les deux, je pense, c'est la même chose. Ouais. Et ensuite, je te laisse deviner. 2000, toi tu laisses à 1500 pour la chauffe. 39, gorge du mammouth. Donc menu. Non, menu. Ah, tu l'actives pas? Ouais, c'est déjà activé, la première manche est déjà active. Ouais, ok, c'est ça, on est d'accord. Ah ouais, c'est bon, on est d'accord. Alors je m'attache. Donc après mise en route, chauffage moteur 1200, alternateur sur on, il est sur on, chargeur à la batterie sur ça monte, avionique master sur on, pompe électrique sur off, feu de navigation sur all, navigation sur on. Et donc pompe électrique sur off, là c'est dans le vert, GTM sur continue, flow c'est bon, on va monter altitude 3008. Alors non pas tout de suite, hein. Première altitude 2600. 2600 c'est tout? Première, ah, oui. Au début il faut qu'on voit des points, donc le rallye okay. On va pas être trop. La piste, donc après, et première de la piste, donc c'est l'axe de la piste. Et c'est 20 degrés. C'est 20, mais je n'ai pas la vague sous les yeux, donc je ne peux pas te donner l'exemple. C'est le piste, on est sur la piste 20, on est sur la 200. Piste 20, ouais. Sur 200 à peu près. 197. 197, merci. Le barreau, donc pour le moment, le terrain, il est à combien l'altitude? Je prends le câble. On est à 1586 de mémoire. Okay. Exactement, 1586. Ok, 1586, 180. Moi je dis qu'il y a un pilote qui a préparé le vol quand même. Hein. Il passe avant toi, hein. Je dis ça juste pour dire que j'ai préparé le vol. Quoi. Ok, donc j'ai attaché à gauche, attaché à droite, derrière attaché. On est attaché. Darwa de Fox Golf Mike X-Ray Oscar, bonjour. Merci, c'est le Mike. Darwa de Fox Golf Mike X-Ray Oscar, en Robin DR 400, 3 personnes à bord sur la pompe nord. On débute le relâche point d'attente piste 20 pour un vol à destination de l'Aune, il n'y a pas de main. Quand on décollera, tu pourras dire qu'on fait une prise de sortie dans l'axe de la piste. Alors attention, il y a un départ décalé au cap 010. Au cap décalé 010 sur ouais. La piste. Sur la piste 02, ouais. Ah non, on est sur la 20. Oui, on est sur la 20. Là. On est sur la 20, mais c'est pareil, 190. 190. Donc 10 degrés gauche. Et, okay. Bah, ça tombe bien. Merci pour l'info. Pas de soucis. Ah, tu vois, je me rappelais pas de ça. Ouais. En départ seulement, ouais. Ouais. Bon, 10 degrés, c'est pas beaucoup, mais c'est même pas 10 degrés d'ailleurs, parce que c'est 7 degrés d'ailleurs. 7 degrés. On est plein travers, Yoann. 15-9 sans doute. Alors. Voilà. Pendant qu'il y a une bosse, on donc, température, ça monte, pression de l'huile dans le verre, pression d'essence témoin éteint. Donc, on va faire les essais moteurs, il n'y a personne derrière, je vais mettre 2000. Gauche. En tout à l'heure, je pars 50 tours, bof. J'ai 2000. Droite. Je vais faire 75 tours, on peut à peu près, c'est bon. J'ai 2000, réchauffe car 2. Je vais faire 125 tours. Boss. Giro dans le vert, ralenti. 800 tours, stable, pas de détonation. Régime d'attente 1200. Pression et température d'huile dans le vert et. Pression d'essence dans le verre, témoin étant, électricité dans le verre. Checklist avant décollage.
Serrage de frein de parc maintenu. Contact magnéto sur bof. Batterie sur on. Alternateur sur on. Chargeur alternateur vérifié. Réchauffe carbu poussé et verrouillé. Mélange vers le haut. Essence sur le central. Autonomie, on a calculé 3 heures autonomie. C'est cohérent sur le 1, 2 et 3. Donc horizon artificiel, c'est bon sur les deux. Donc 580, 580. Là j'ai 1020, là c'est 1022. Donc moins de 4 hectopascales de différence. C'est bon, attention les genoux, je teste les commandes. À gauche ça monte, ça descend, ça monte. Libre et dans le bon sens. Donc compensateur sur notre ceinture attachée à gauche, attachée à droite, attachée derrière, les deux arrières sont attachés. Pompe électrique sur on, je sens un cran de volée, sortie et symétrique. Sortie à droite. La pompe électrique sur on, quand c'est verrière poussée et verrouillée. Largage verrière à gauche, c'est bon, à droite, c'est bon. Les éjecteurs en place, pression d'huile et température dans le vert, pression d'essence dans le vert, pas d'alarme. Donc je vais décoller sur la piste 02, aligné, je l'irai cap 180, je vais aligner sur la piste 220, aligné, je l'irai cap 197, je vérifie, je fais un décollage sur les freins, je vais vérifier les moteurs 2200 tours minutes minimum, rotation 54 nœuds, montée initiale 70 nœuds. À 2200 pieds QNH, je rentre les volets et je cherche 80 nœuds. Au seuil de la piste gazonnée, je prendrai route 190. En cas de panne avant 144 nœuds, je freine, je réduis. En cas de panne mineure, après décollage, je ferai un circuit adapté main droite pour revenir. Main gauche. Donc tour de piste main gauche pour revenir sur la piste 20. En cas de panne moteur, après décollage, je pousse vers la manche pour chercher la vitesse max de 80 nœuds. Et si on a un problème, on atterrit directement à l'usine d'Arrois. Ok. Donc. Petite précision, donc tu vas atterrir cap 210, tu fais une montée, et la première route derrière, ça sera 230. Donc, okay. Montée, puis après on vire à droite. Sachant que le premier point est à 4 nautiques, donc on est à peu près à 2 minutes. Ok. Dès que j'en rentre les volets, je termine chaque liste avant le décollage, on va voir ça. Darwa de X-ray Oscar, on est à point d'attente piste 20, on pénètre sur la piste, je vois personne en finale, je pénètre sur la piste 20 et je m'aligne pour un décollage X-ray Oscar. Donc il est 45. Darwa de X-ray Oscar, je pénètre la piste 20 et je m'aligne. Oh. 8h45, il faut être posé. Ça devrait aller. Donc, puissance disponible. Le badin est actif. Le vent vient de droite. Les instruments sont dans le vert. Pas d'alarme. On entame la descente. 54 nœuds. On est passé à 2 mètres d'un oiseau. Ouais. Donc altération à gauche légère. Voilà. Dès que tu es à l'altitude de croisière à 2600, le premier point il est là-bas à droite. Je n'ai pas encore mon altitude de sécurité, doucement. À droite, à 70 degrés à droite. Ouais, doucement, on va doucement, je n'ai pas encore mon altitude de sécurité. Donc je rentre les volets. Pompe off, checklist après décollage, volet rentré, pompe off, réchauffe off. Les instruments sont dans le vert et je cherche 80 nœuds. Donc là, l'altitude de sécurité, 2400 pieds. Ouais. C'est presque. Et donc là, on va aller, quel cap? 232. Mais là, de toute façon, c'est faux, puisqu'on est déjà trop à côté, donc. Donc là, tu peux virer à droite 60 degrés.
Dijon Darois 10, Fox, Romain Uniforme, bonjour. On est à 2500, encore 100 pieds, tu peux te stabiliser. Alors, devant toi, tu as l'espèce de rizière là. Tu peux la suivre. Alors là, avec le soleil de face, c'est vraiment pas une bonne idée. Et on va voir un château qui est devant nous en dessous. Mais là, j'ai le soleil, je peux pas dire plus. Dijon Darois, Romain Uniforme, bonjour. Voilà, c'est bien. Non. Dijon Darois, Uniforme, Romain Uniforme, ADR 400, une personne à bord en provenance de 3 en direction de l'installation. À 1 minute de suite de la verticale installation pour une intégration. X-ray Oscar, au départ de Darois. On est à 2600 pieds, route vers l'ouest, en sortie de vos terrains. On vient de décoller de la piste 20 à Darois. Merci pour l'info. Avec une bonne composante devant à droite de droite. Merci beaucoup pour l'info. Donc là, tu vois la ville qui est en dessous. On tourne par la droite et tu vas chercher la montagne qui est là. Et le BOI, il est juste en dessous, le château. Tout le soleil en dessous, là. Ok. Donc là, à la rigueur, si tu prends 102, ça sera pas plus mal. Les premiers repères qui m'intéressaient, c'est à droite. Ça sera pas mal. Le village. Derrière, on a la gorge des mammouths. Ouais, je la vois, là. Donc si tu peux shooter ça. Il est où ton point, Pascal? Il est à gauche, là. Donc tu vises la colline qui est là. Voilà. Donc là, tu prends 45 à gauche. Il doit être quelque part en dessous, là, mais j'arrive pas à le voir. Dijon Darois du Fox Romain Uniforme, verticale installation pour m'intégrer en début de montagne. Ah non, visuel, il est là, à droite. Ok. Tu vois le village qui est ici là? Ouais. Elle a une colline qui est au-dessus et t'as une grosse surface couleur claire, ben c'est celui-là. Oui. Donc là tu peux aller cercler. Une fois que t'as fait ton cercle, la route ça sera du 245. Je disais là-bas c'est trop loin. Un visuel juste là le château. Alors ça s'appelle le château de Malin. Tu peux rester comme ça à plat et après on fera le virage. X-ray Oscar de Darois, je suis en sortie de zone, je continue, je veille la fréquence et je suis vers l'ouest. Tu peux dire château de Malin. Darois Fox Golf, bravo, bonjour. Pas tout droit Johan. Voilà. De toute façon, tu fais un tour large. Tu vas faire quoi, la 360? Un 360, ouais. En étant bien à l'extérieur, tranquille, pour pas survoler la ville. Vous le voyez, le château? Ouais, très bien. Donc, c'est une belle ruine. Non. Voilà, ok, tranquille. Ouais, voilà. Cool. Voilà. 30 degrés d'inclinaison. Darois Fox Golf Charlie Romain Uniforme en vent arrière de 20 dur. Dijon Darois 589, bonjour, pour information, l'hélico en provenance de l'hôpital pour les installations. Tu vas pouvoir le shooter derrière toi. Ouais. Dans 2 minutes. Donc là tu peux faire le virage en cherchant les falaises. Darois Uniforme, bravo sur un gros point de gros parking. Juste dessous le casque d'abord. On roule. Ça sera un 242. Voilà. C'est on pour voit pas la bien, piste là. 20 à Darois, c'est ça? Allez, je surveille aux alentours en même temps, Johan. Bah, l'uniforme, c'est là qui dirige en tout cas. Ok, merci. Donc je confirme, route suivante. Alors non, ça sera 193, pardon. 193. Ça met 89 en basse masque gauche pour en la gros,
vois le champ qui est au clair devant là. Fais une route là-dessus et tu pars vers là-bas. Là où c'est enfermé là. Ouais. Voilà. J'ai perdu, ça y est. Bamboulé le château. Donc château de Malin. À droite, 190 là. Marigny dans 3 minutes. Tu en 2400 toujours. Ok, juste donne-moi quelques secondes. On va... Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. Tu changes de réservoir. Je change de réservoir. Non, je mets la pompe. Je mets à gauche. Je mets la pompe sur off. Pression maintenue. Pas de voyant. 15 000 s'il te plaît. Go. 15, hein. 15. Sachant que vous pouvez surveiller en même temps le voyant, vous le verrez bien éventuellement. Si jamais ça clignote, ça c'est pas bon. Voilà. D'accord. On peut très bien être à 10 minutes en fait. 15 minutes, on est tranquille. Alors, là tu restes 2400 max, sinon on verra rien. Là tu te vois mieux que moi, toi. Ah mais toi, 2600. Non, on va être beaucoup trop, on la verra pas. 193. Donc là tu cherches un peu à gauche plutôt, à gauche là-bas, dans le creux de la vallée. On a la Bourgogne qui passe en dessous, on a le canal de Bourgogne droit devant nous en dessous là. On le voit là. Alors moi je le vois. Dès qu'il est là, je le vois. Alors quand je te donnerai un top, Johan, ça sera un 176, donc en gros c'est un 90 droite. Ça sera un combien? 176 à vrai. Hop, hop, hop. Bon, on va peut-être rester là alors. Oui, on va même à... On va peut-être même monter un peu. Oui, même j'en dirais, on va monter un peu. Alors à ce moment-là, si on monte un petit peu, tu t'éloignes de 500 mètres à gauche. 89, et là, c'est les reliefs qui font ça, donc... Ouais, mais justement, si tu te mets... Ouais, voir quoi, je sais pas. Alors... Ok, je sais où on est, là, enfin, je crois. Ouais. Donc, là, on est trop près, là, on la verra pas. Il faut vraiment que tu te décales de 500 mètres à gauche. Donc on va passer dessus sinon. Voilà. Encore un peu. Donc Joe, là en dessous, il y a un village. Sur la droite, tu as une route qui part. Quelque part dans la forêt en dessous, il y a une ruine. Ah ben tiens, la ruine, on est dessous là. Elle est là. On est juste à la verticale. D'accord. Tu peux commencer à faire le virage à 20 degrés. Pour là-bas. 1 degré droite, 176 à retrouver. C'est 5089 au parking coquille. Ah bah, qu'est-ce que je t'ai dit, moi, 176. Le pilotage avant toi, et là je sens pas trop... Ça bouge beaucoup. Hein. Ouais. Donc là tu vas faire quoi? 278. Ah bah. On va partir par là? Ah bah ouais. Bon ben la ruine, elle est là, regardez. En fait, elle est complètement dans le enfouie dans le vert, là. Dans le vallée ou... C'est où, dans la forêt ou dans le vallée? Non, là c'est la forêt. Nous c'est la vallée qui est en face, tu vas pas pouvoir le louper celui-là. Le 178. Donc en fait, il va être quelque part sur notre droite là-bas. J'ai une petite idée. Ouais, bien à droite là-bas, 20 degrés à droite. Non, c'est les reliefs qui font cette turbulence un peu. Ouais. Donc ça me veut même ça, en plus j'arrive pas... Je redescends un peu. Donc là c'est pareil, on va arriver comme ça au-dessus du château. Mais il y a l'eau sur les... L'eau, c'est 2 km au nord de l'eau. D'accord. Il y a un village, ok, reste là sur l'axe, sinon on va être trop près. Dès que je l'ai, je te dirai. Mais alors là on est bien parti pour faire un virage 20 degrés tranquille. T'as pu la voir Jean-Luc la ruine? Non, celle-là je l'ai pas vue. Non, il faut vraiment savoir où elle est. T'as pas pu la choper j'imagine.
Bah, je sais pas, tu l'as eu? Bah, je sais pas si c'est ça, mais... Un truc. Ok. Alors, le château... C'est probablement en dessous, là. Je pars en bas à gauche, tu peux avoir mieux peut-être. Ouais, là, légèrement à gauche, ouais, ça c'est une trale, là je pense. On peut te remettre. Ouais, c'est ça, visuel sur la tour du château. Ok. T'as le champ clair qui est juste là, derrière t'as le village. Donc c'est bon, tu peux te remettre. Alors attends. Là dans le village, t'as une grande tour. Un truc bien carré et bien haut. Ah, je l'ai. Donc ça c'est le château de Comara. Pour le trajet c'est bon, tu veux que je m'éloigne, je m'approche? Non, tu peux virer 20 degrés à droite. 20 degrés à droite. Voilà. Voilà, tu peux faire un plat, un palier. Donc pour la petite histoire de ce château-là, ça fait depuis les années 1700. Je crois qu'il est dans la même famille, je crois. Après tu peux faire à 20 degrés. 20 degrés 20 degrés incliné à droite comme ça et on fait le tour. Oh, d'accord, on va faire 360 à 20 degrés d'inclinaison. En fait maintenant on va faire un 270 à 20 degrés. Et le château il est juste derrière. Donc je prends heading. La prochaine ça sera du 176. J'ai pas compris, tu vas faire en 360 ou pas hein? Donc tu fais un 270 degrés pour aller au sud après. Donc 1, 2, 3. 3 quarts. Regarde, on le voit bien le château là, regardez. Ah ouais. Disons, tu crois que c'est l'ordre des pompes. Reste comme ça, 3 minutes, on est bien. Pour les pompes. Joli hein. Donc ça, c'est un château privé qui est quelques salles. Ok, continue ton virage. Le suivant est à 1 minute 30 devant nous. Il est beau les temps là aussi. Hein. Donc la 90 droite, tu te mets à gauche de la forêt là. Oui, donc là il y a un grand étang derrière, ouvre en fait. Et pour la petite histoire, ceux qui sont un peu... qui connaissent Henri Vincenot, il a habité ici. Donc c'est un écrivain qui a raconté pas mal de choses, apparemment vraiment bien. En 67 là. Donc on a la forêt qui est ici là, derrière on voit un village. Dans ce village là il y a le château neuf. Au-dessus? Juste au-dessus là. En fait on va le voir. Non, reste comme ça. En 76. En fait tu la base de la colline qui est là-bas. Tu vois à gauche là tu as une base de colline battue. Voilà. Donc Châteauneuf, alors si vous circulez régulièrement sur l'autoroute A6, quand vous avez passé Dijon et que vous remontez vers Avallon, dans la droite il y a un grand château immense. Eh ben c'est celui-là, Châteauneuf. Alors qui se visite? Nous pas de bol, quand on y était, il était en travaux. D'ailleurs il est encore en travaux. Alors, regarde à droite. Oui, la pompe totale est en panne pour votre information. La pompe totale est en panne, il faut aller au nord de l'installation. Reprendre le taxi et remonter vers le nord de l'installation, il y a une pompe à miade. Voilà, château 9 à droite. Ah, Pierre, je suis en visée de la pompe à miade, merci beaucoup pour l'information. Tu le vois, Johan? Ouais. À part. Dijon du Fox, en route de l'Uniforme, actuellement en pompe totale, en direction des pompes à miade. Un peu plus à gauche, là. Et vise le grand champ vert qui est en face de toi, là. Sur la colline qui monte à gauche, t'as un grand champ vert avec des arbres au milieu, là. Celui-là. Sur la bonne route. Ok, nickel. Alors en dessous, vous avez également un autre château. Là, c'est plutôt une tour, en fait. La route, donc,
point d'attentement. Ah, on est un peu. Ouais, on est juste au-dessus là. Ouais, c'est bon, il bouge pas. On a un petit village en tour, ça s'appelle Chaudonnet-le-Château. Et une grande tour. À voir. Ah ouais. Voilà. Elle est sous l'aile là. Ah, elle est sous l'aile, voilà. Une grande tour vide en fait. 178. Voilà, maintenant t'as de quoi souffler 2 minutes, Johan. Château 9, on a 8 minutes, on a 5 minutes de respiration là. Il nous reste combien pour les 15 minutes? T'as encore le temps, 5 minutes. Ok. Donc voilà, donc là, et là on est en vacances ici dans le gîte qui est là à côté. Juste sous la tour en fait, dans les maisons. T'as vu, c'était court comme, pour, comme point de passage. Hein. Enfin, t'avais dit rallye. Hein. Ah, c'est la 6 à gauche là? Et alors la 6, on est passé dessus juste après le château. D'accord. Ouais, mais c'est ça, c'est elle qui est ouais, à gauche. C'est elle. Ouais, c'est elle. Et à gauche, ouais, ça doit être. Ouais, c'est oui, ça, oui, ouais, rejoins. Donc le prochain point, donc on était 55, 3 minutes 58, ouais. On a dû passer à 6h01 je pense. Ouais, 6h01, donc 00. Alors ça c'est quelque chose qui va être beaucoup plus subtil. Il y a bien le 176 parce que sinon on va passer complètement à côté. Hein. Tu veux quoi? 176. Heading 176. Ouais. Et là on est complètement barré à gauche. Ah ok, visuel, je sais où on est. Alors là ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu passes à gauche de ce village, là. 30 degrés à gauche, attention. Donc ça c'est pas l'usine. Je crois pas, mais je me rappelle plus comment il s'appelle avant. Donc ici on a une église un peu particulière, où je sais plus, ah non, c'est une grande place. Voilà. Ok, là tu peux reprendre ton 176 là. Après la ville. Ouais, c'est bon, tu peux virer, on est à côté là. Voilà. Derrière l'usine, alors le petit village qui est derrière, il va falloir chercher en remontant sur la pente. Et on va voir une statue qui est assez importante, elle doit faire 7-8 mètres de haut. Elle est perdue dans la forêt. C'est une particularité, on va dire, elle a une vierge noire en fait. Je crois que c'est une sorte de bronze. C'est pas garanti qu'on la voit. Mais elle est en dessous dans le village. C'est au côté de la montagne là? Dans la montagne, quelque part en dessous. On devrait la... il m'a semblé que je la voyais. Il y a l'église là? Non, non, c'est vraiment dans la colline en haut. On est peut-être un peu trop dessus même. Ouais. On est passé quasiment dessus là. Non, je l'ai pas vu. Enfin, si, je sais. Ah, ouais. Ok. Tu veux un 360? Non, c'est pas la tête, on la verra peut-être pas. Route suivante, 185. Combien? 185. 185, unité ouais. 8-5. C'est ça. Et là, il a des éoliennes. Ouais, dans les éoliennes là. Dans les éoliennes, j'avais monté. On est bon, on est altitude de sécurité. Hein. Wow. 2800. On est bon là. Alors là, il faudrait ma carte. Parce que c'est les éoliennes qui vont me servir de point de passage. Ah, de point de repère plus exactement. Ouais, c'est ça. Là c'est un truc qui va être subtil à voir. La vie est en bonne, ouais, c'est ça. Alors là il vaut mieux pas que je le rate parce que ça c'est le point tournant qui nous emmène sur la nave derrière.
redresse combien de temps? Il reste 50 secondes. Bah, tu peux changer maintenant. Là. Vas-y, change-le. On groupe, je stabilise. Ce que tu fais, c'est que tu restes sur le central. Tu te mets sur le central et on changera après. Et là, on est en plein sur le point tournant quasiment. Ok. Donc... Hop. Donc là, on est central. Un peu plus tard, on va sur l'autre... Battu de virage, je me suis mis à 25 minutes. Ok, le prochain, oui, je t'ai déré. 30 degrés à gauche, là. On va rater le 30 degrés à gauche. Ouais, on a dérivé de 40 degrés. Il y a une route là-dessus ou pas? Ouais, on est au-dessus d'une route là. Il y a une route, il y a une ligne d'éoliennes, on est sur la ligne des éoliennes. D'accord, ok. Donc c'est quelque part à droite en dessous là, il y a une espèce de gorge, et peut-être là-bas. On a la grande route, alors faut que je me rappelle comment on a fait pour arriver là-bas. On a une grande ville derrière. Tu peux prendre 10 degrés, 15 degrés sur la droite. On a une ligne de tension. La roue qui s'enfonce de base là. Elle est là, la ligne de haute tension. Ouais, je la vois. Elle est sous l'aile, derrière l'aile. Ok, vire 90 degrés droite là. 90 degrés à droite, ouais. Donc là je prends cap ouest. Ouais, cap ouest. 270. Ah ouais. Cap ouest, ouais. Et là, quand on aura fini le virage, on va croiser la ligne à haute tension. Et les boutons en dessous. Donc là, j'ai pas de visuel, j'ai pas de timing, donc on est largué. Et bravo le navigateur! Et quoi que tu cherches exactement? Oh ben c'est une gorge. Là, en fait on croise les nœuds de tension un peu plus au sud que les éoliennes. Ah ouais c'est ça. On est voilà, haute ligne de tension au sud des éoliennes. Donc on fait un cap ouest. Tu vas pouvoir remonter, alors attends, je vais prendre le nœud. Tu veux que je retourne là où on était pour recommencer? Non, on va y aller, je pense que c'est bon, on va dire qu'on est passé à 0,8. Donc 6 minutes 8 et 6,14. Donc la route suivante c'est 318. 318 à droite. 318. Ouais, 0,8, 14. On va nous amener sur le lac là-bas. Là. Justement, je vais en servir comme point de repère. Ah, le lac, le premier, il y a deux. Rien à voir, mais je sais où il est, donc je sais où on arrive là. Ok. Tu me dis quand tu es sur la route 318 318, c'est même pas à gauche. On vient de la passer là, ouais. Ok, c'est le lac de Bazoche. D'accord. Je suis 318. D'accord. Deux lacs, l'un au-dessus de l'autre, c'est ça. Donc là, je suis sorti de dire qu'on est sur la route qu'il faut qu'on suive, là. Un village, là. Et celui que je pense, on a gagné. Bah tu peux. Delta Echo Alpha Golf Golf, man. Delta Golf Golf. Delta Golf Golf, please squawk 3432. And squawk identity, please. 3432 on squawk identity. Pas l'information de novembre 23 Proxima, bonjour. Novembre 23 Proxima, pas bonjour.
Oui, bonjour, un Moulet M20T, deux personnes à bord. Actuellement, on vient de sortir de la zone de Lyon. On est au 105 et on voit que c'est fini. Et on ferait route vers Echo Papa Lima. Devant 23 Fox Lima, le transpondeur 3430, pour information du QNH à Dijon 1019. Et rappelez-moi le terrain de départ et destination, s'il vous plaît. On est parti de QR, Lima Fox, Tango Fox, le terrain de destination, c'est Limiville, Lima Fox, Québec Charlie. Ouais. Québec Charlie, merci, il faut que Lima identifie radar. La ville qui est là, c'est Arnie Leduc, a priori. L'information, ça sera pour vos Papa Hotel Yankee. Retournant suivant. Ce Papa Hotel Yankee, bon, je crois qu'il me manque une lettre. Répétez à nouveau. La route suivante sera du 279. Bravo, Papa Hotel Yankee. Fox Bravo Papa Hotel Yankee, bonjour, je vous écoute. Hôtel Yankee, un rallye, 4 personnes à bord, en provenance de Dole, à destination de Charleville. Attends, pour l'information de Dole. Fox Hôtel Yankee, le transpondeur 3430, pour l'instant pas de trafic à vous signaler, le QNH 1019. 3430, okay, suivant trouvé. Fox Hilo Delta, on est passé au-dessus, on a pas vu. Sud-autre position, un trafic 300 pieds plus bas, en direction vers le nord, vous regardez. Très bien pris, Jean, j'ai pas vu le trafic, mais merci. A priori, c'est votre 3h moins d'un nautique, droite gauche. Confirme, Arnie Leduc, on est sur la route. Fox Bravo Mike Zulu Tango, panne. Je vous écoute. Je vous quittez bientôt nos espaces, transpondeur 5000 okay, et Genève Info 126 et espace 35. A bientôt, au revoir. On a 7000 et 126 35. 279. Au revoir. Bah, l'information, 200 Golf Mike X-Ray Oscar, bonjour. Fox Golf Mike X-Ray Oscar, bonjour, je vous écoute. Le Fox Golf Mike X-Ray Oscar en Robin DR400, 4 personnes à bord en provenance de Darwa à destination de Logne et Papa Lima. Actuellement 3200 pieds sud-est de Echo ici pour information de vol, s'il vous plaît. Et Oscar, le QNH 1019 et le transpondeur 3430. 3430 sur le transpondeur avec 1019. X-ray Oscar, merci monsieur. 3400 pieds d'altitude. 279, 3400 pieds. On est en train de s'éloigner, 279. C'est Marseille, 126, décimal 705, au revoir. Bien Marseille, 126, 705, 105, bonne journée monsieur. Au revoir. C'est la barre. Il y a un autre SAMU à 11h de nautique route opposée, de, voilà, plutôt voilà, c'est une position. On le voit bien ici. Bah, l'info 589, rebonjour. SAMU 89, bonjour, ouvrez l'œil à vos... ça va derrière, ça va pas trop virer. En route pour ouais, l'autre SAMU 21 en route vers Dijon. Bon ben là, oui, on l'avait vu. Le rallye est terminé, enfin maintenant on continue, mais il est pénard. Avec, 4 personnes. On a 10 minutes, 5 à 10 minutes entre chaque fois. QNH pour les informations de vol. Donc 89, le QNH 1019, et après le SAMU 21, pas de trafic à vous signaler. 19, SAMU 89. Donc l'altitude de sécurité, c'est 2800 toujours. On cherche un 3004, on n'a pas de plafond au-dessus de la tête, hein. On est tranquille. Ok. On va faire dans 25 minutes. Tu me dis quand tu lances. Vas-y. Hop, tape sur droite. Sur droite. J'ai l'impression, pas d'alarme, sur off. Pression maintenue, pas d'alarme, 25 minutes. Vas-y. Papa Romeo, 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 Papa Romeo, 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 you can contact Dole 130.9 and mais route, route, maybe. Mais sur celui-là, ouais, on pourra rester peut-être un poil plus, on verra. Papa Romeo, 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 contact Dole 130.9, see you later. Bon, ben là, maintenant c'est pénard. 130.9, bye-bye. See you. T'as déjà fait des rallyes toi ou des nafs comme ça avec des points assez proches? Non. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant, mais avec les reliefs et les tours de lance, c'est... c'est un peu plus sportif. Hein. C'est 5021 qui demande à passer avec par contre, à mon avis, tu sais quoi? Et les altiroutes, etc., faut pas les chercher. Parce que les branches, elles sont très courtes. Et quoi? Quand tu indiques une route comme ça, la magnétique et tout, pour des rallyes comme ça avec des branches de 2-3 minutes, faut pas le faire parce que le temps que tu perds à faire ça,
tu te décales et tu perds ton axe en fait. Surtout que je reconnaissais le terrain, tu vois. Ah tiens, regardez à gauche là. Il y a une espèce de château manoir, je sais pas ce que c'est. C'est Oscar, transpondeur 7000 et vous quittez nos espaces. Vous pouvez contacter 5 120 6 7 5. Au revoir. Donc là on arrive dans le Morvan. Ouais. On le contourne. On va le traverser. Oscar, ah, on va le traverser. Ouais. Donc après tu prends de la hauteur en fonction de ce que tu veux, Johan. Bon, changer de terrain, le toit là, là c'est jaune, j'évite les jaunes, là c'est jaune, là, ouais. Donc à 3005, là ça paraît correct. Bah ça, de toute façon, il nous le dira, parce que là ça va monter. Fox Golf Mike, X-ray Oscar, bad. X-ray Oscar, j'écoute. X-ray Oscar, vous quittez nos espaces, vous pouvez contacter Clermont 120.675, au revoir. Pardon, la fréquence 120 décimales 675. X-ray Oscar, merci monsieur, au revoir. Personne à bord, tantôt dans 7000, on va monter jusqu'à 4000 pieds, à 4500 pieds. Reçu 4567 pour le Focus Gold, bravo, il y a l'hôtel. 4567, il y a je vais à 4000. Ouais. Ça c'est qui, c'est SN ou... Clermont-Ferrand. Clermont, information, tout le Focus Gold, Mike X-ray Oscar, bonjour. Focus Gold, Mike X-ray Oscar, bonjour. Bonjour monsieur, le Fox Golf Mike X-ray Oscar, Robin DR400, 4 personnes à bord en provenance de Darwa à destination de Logne, Papa Lima. On vient d'être libéré par balle, on monte à 4000 pieds pour information de vol, s'il vous plaît. 4567 X-ray Oscar. 4567 X-ray Oscar, merci monsieur. Clermont de Fox Juliette Zulu, oui, Fischer, bonjour. Oui, si, sir, bonjour. Fox, en provenance de Moulin, à destination de Macon. Transpondeur 7000 et 2500 pieds, 700. Reçu 4567, c'est Whisky, sir. C'est intéressant de le marquer. Transpondeur 4567. 316. Mais après le lac. Après le lac, ouais. C'est-à-dire, tu passes le lac tranquille, tu le débordes et hop. Bon alors ça faisait des années que je voulais survoler le Morvan les gars. Ouais. Ah ouais ouais. On en avait parlé plusieurs fois. Ouais tu te souviens? Ouais. Bon bah tiens je te le donne. Tu peux le garder en souvenir si tu veux. T'as qu'à viser la pointe qui est à gauche là-bas. Comme ça on fera le survol tranquille. Voilà, c'est bon là. Donc le sol il est à 1900 dans ces eaux-là par ici. Et 1900. Le point d'après c'est pas c'est ce petit lac, le lac Léon, le... Non. Avec Clermont 119375. Non, justement. Et à droite, on le voit pas. Avec Clermont 119375, c'est votre journée. En fait, il sera quelque part derrière à droite. Vise bien à gauche. Là, on va être au-dessus. On n'en profitera pas. Donc là, descendons droit devant. Ceux qui connaissent un peu, il y a la ville de Autun qui est quelque part derrière à gauche, là-bas plus au sud, avec un aérodrome, à partir duquel j'avais fait un vol avec JCL 58, Jean-Claude, de Nevers. Voilà, ça bouge, désolé.
Et on va faire un passage avec 50 pieds sol au-dessus du lac, ça bougera pas. Bah exactement. Bah ça va être stable. Hein. Voilà, légèrement à gauche. Hein. Magnifique Morvan. Non, non, l'autre gauche. Alors, je sais pas si on peut regarder, c'est une grande vue quelque part, là-bas ça sera haute. Hein. Je sais pas si on la voit d'ici. Ouais, je vois pas. Surtout que c'est pas là-bas, c'est plutôt derrière à gauche là-bas donc. Je dirais que c'est dans la plaine qu'on voit là, carrément derrière. Sur le voilà. Putain qu'on est peinard là. Il y a plein de champs à stall. Donc lac des Cétons. Bon, faire le tour, il me semble qu'il faut la journée. Hein. Après, prochaine route, Pascal? C'est celle que je t'ai donnée, 316. Ok. Je passe vertical lac et... Non, non, tu te mets juste sur la pointe du droite du lac, là. Quand t'es sur la pointe, tu prends la route. Et il est 24 comme prévu, non 23. Donc évidemment c'est pour les adeptes des sports nautiques. Hein. Allez, je vais saluer. De mémoire, il s'appelle Alain. Jones à l'aéroclub d'Autun. C'était en 2017 je crois. Ouais j'étais élève encore. Vertical c'est ton. Allez on prend 24 plus 4 minutes. À peine. Ah non c'est un vent de face qu'on a. Ouais ok alors peut-être presque 4 minutes 30. Mon log de neuf qui pourrit tout. Bon. Et là il y a une espèce de... Non, non c'est pas une espèce, c'est un barrage. C'est en fait plutôt une forme de digue. Hein. Clermont, Fox Hotel Alpha Uniforme Romeo, bonjour. Fox Hotel Alpha Uniforme Romeo, bonjour. Bonjour monsieur, ADR400 au départ de Rouen avec à bord. Destination Valence. Actuellement monté jusqu'à 6000 pieds, QLA 620. Monsieur 4567 uniforme Roméo. 4567 uniforme Roméo. X-Roscar en sortie 7000 et vous pouvez switcher sur Paris Info 126 unités en auto-info. Je switch sur 126 unités en auto-information pour X-Roscar et 7100 transpondeurs. Merci monsieur Urbain. Vous aurez celle un peu plus loin hein, sinon. Alors, à une prochaine fois. À la prochaine fois, au revoir. Clermont du Fox Charlie Lima de la gare de Vichy, rebonjour. Rebonjour Charlie Lima, la montée approuvée, rappel pour le drop. C'est approuvé au 110, on rappelle pour le drop Charlie Lima. C'est quoi la fréquence d'après 126 décimales unités, il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Mais la fréquence d'après, 7 Il n'y en a pas. 120-325. 120-325. Alors là, ce qui m'étonne, c'est qu'on devrait voir un lac qu'on ne voit pas. Il y a O là-bas. Non, non, celui-là, il est trop loin, c'est pas celui-là. Il y a un tout petit... Il y a quelques étangs ici, je dirais. Là, c'est le réservoir Chapson. Bah, s'il est là, regarde devant, là. Ouais, c'est celui-là. On y arrive dans son axe, en principe. Si on n'y arrive pas dans son axe, on est là-bas. Ouais, ouais, ouais. La route suivante, ça sera 353, je t'écoute. Vraiment 63, retour du secteur 106 à destination du CHU. Ok, pour suivre le CHU, tu peux passer avec l'info de, avec le, la tour. Je change avec la tour, bonne fin de journée. Ah, ok, d'accord, voilà. Je me dis un truc que je comprends pas, voilà. D'accord.
Ça y est, je vais fermer les gars. Mets-toi plutôt à gauche. Ok, j'ai compris. Il y avait un lac d'avance en fait. Ouais, plutôt, j'étais trop loin. Voilà. Alors pour la petite histoire, tout au sommet du barrage, là-bas, on verra, il y a tout au sommet du lac, c'est un réservoir, il y a un barrage. Et en gros, Johan, ce que tu vas faire, c'est que quand on fera sur le, quand on l'aura sur notre droite, là, tu vires et tu le suis comme ça. Yo, t'as juste info, l'arrière para de votre secteur gauche, mi-pied au-dessus, on monte à travers votre niveau. Bien au-dessus maintenant, va procéder vers les chiffres. Ouais, c'est visuel pour l'île d'hôtel. Voilà, l'île d'hôtel. Voilà. C'est bon, tu peux virer à droite et prendre la route. Alors la route suivante, ça sera du 353. 353. Ouais, mets-toi à plat là. Mets-toi à plat, voilà. Sinon on va être dessus, c'est pas bon. Un visuel sur ce qui a l'air d'être le barrage. T'es tout au bout du lac là-bas là? Ouais, c'est ça normalement. Ouais, ça a l'air. Et le point suivant, c'est l'autre qu'on voit là-bas, Johan, tu vois. Le machin qui est tout long en fait. Voilà, tu peux prendre 20 degrés droite au 353. Dernière info de Fox Hotel Tango Sierra Yankee, bonjour. Ah, le plafond n'est pas très loin. Fox Sierra Yankee, Inter 400, personne à bord au départ de Clermont-Ferrand. Bientôt verticalement, bravo, et à destination de Vichy. Rappelons de Vichy. Rappelons de Vichy, Fox Sierra Yankee. Alors si on voit le barrage là, tu le vois Joe? Ben je le vois. Il reste 10 minutes, c'est ça? Il reste 10 minutes 48 secondes. Par contre là c'est vraiment un barrage là. Voilà Johan. Tu vas te mettre en tangenté sur celui-ci là. 353. On est passé à 30. C'est bon. 3, 5, 3. minutes. La route suivante, ça sera un 302. 302. 302, Yoann, pour la prochaine. Vas-y, tu peux respirer là, on est peinard maintenant. En fait, quand on a le barrage qui est là, je le vois. Quand on est sur le barrage, je te le dirai, puis tu prendras la route suivante. Okay. Il est en bout là-bas. Il est légèrement en arc de cercle. Ouais, mais je vois. Donc ça, c'est un réservoir aussi. Réservoir du Cresson. Le précédent c'était Chaumeson. Chaumeson. Par Madame Son. Avec une chauffe devant. C'est joli là. Il y a un bel éclairage en plus. Nous vous présentons Flight Simulator 2024. Non, je déconne. Et hop, un zoom sur le barrage. Ah, il a l'air d'être grand celui-là.
Ah ouais, c'est quoi le nom, barrage de quoi? Là c'est le réservoir du Crescent. Un Crescent. Hop là. Ok, 302. Je tourne à gauche, la personne. On est passé à 32. Alors j'allais dire que je voyais le ciel, mais en fait non. 32, alors prochain point dans 4 minutes et je crois que je l'ai déjà en vue. Alors là par contre il faudra descendre Johan. Altitude de sécurité 2200, altitude prévue 2200, pardon, altitude de sécurité 2000, altitude de vol 2200. Et on a le visuel, je pense qu'on a le visuel. Là-bas. À droite là, t'as du jaune, t'as une forêt qui est dans l'ombre et derrière t'as une petite butte avec un village au dessus. Ah bah c'est là-bas qu'on va. Et là soit on fait un passage, soit on fait un cercle. Mais il descend de 1500 pieds. Là on va pas bien loin. C'est quoi qu'on cherche? Baisse-les. C'est le truc là-bas, c'est ça? Ouais, ouais, c'est pas, je vois. Donc là on va faire juste un passage comme ça, mais voilà. Ouais, mais tu vois quand on descend ça commence à... On va essayer 3005. Là je pense qu'il y a juste le relief, après ça va aller mieux. Ouais. Bon bah là, je... on revient dans la plaine là gentiment. Donc quitte le Morvan en fait qui est juste derrière nous là. Ouais. Donc 3005 je pense qu'on sera bien pour le voir. Reste légèrement à gauche. En plutôt un 300. Ah oui on a 14-2 de gauche. Donc il y a un bon 300. Bon alors Vesley, je sais jamais c'est quoi, c'est une abbaye, c'est quoi? Ouais, c'est une abbaye, oui. L'abbaye de Vesley. On voit que c'est un point de repère solide quand même. Hein. J'en parle toujours parce que c'est remarquable. Juste au pied, il y a un village qui s'appelle Saint-Père et qui a une église qui est à voir également avec un clocher qui est assez caractéristique. Ben, assez bizarre, en fait, vraiment étonnant. Là, je le vois juste sur la droite, je vais essayer de le choper. Mais bon. Vu d'en haut, ça sera pas forcément top à voir, faut être plutôt bas. Et le pied en fait, c'est intéressant. Alors soit c'est celui-là. On voit pas, soit c'est l'autre. Ah non, si c'est celui-là, c'est un père. Ah si, ouais, je vois l'église. Ok. Juste à gauche de la zone éclairée. Là-dedans. Bon, info de Fox Sky Yankee en vue de Vichy pour citer. Ouais, et bien si écoutez, à plus tard. Par contre, voilà, on a l'abbaye donc à droite. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Route suivante 330 je crois. Attends, bonjour, reste à Fox, bravo Mike, je vais être Mike. Bonjour. Super Emerald, départ du Puy-en-Velay à destination du Trans-Sahara. On a 4500 pieds, le code 4550 transpondeur. Route suivante, 330. Reçu, le transit approuvé. 330. Allez, le transit approuvé, je vous remercie. Voilà, 330 maintenant. Voilà, impeccable. Bon pour toi Jean-Luc? Ouais ouais c'est bon je l'ai vu. Tu te rappelles quand on était venu là? Ouais tout à fait. On avait fait quoi? Bah on n'était pas allé voir Jean-Claude justement. Ouais, exactement. Ouais c'est ça. Moi 3-0.
130. Attends, on a un avion sur notre droite au Bounel, est-ce que vous voyez? Et pour le faux jeu de pour le transit, on préfère passer la route pour éviter des conflits seuls avec les largages parades. Vous êtes pour le moment, il est encore loin. Donc c'est le point whisky, c'est ça? On surveille. 330. Non, on va le louper. Ah oui, Alpha en fait. Oui, mais il faut... Oui, c'est bien, sur un 4020 par exemple. 4020, on l'a. Merci beaucoup. Non, ça, c'est un réseau, ça. Bon, il est... C'est un piste 30. Il est loin. Il est sorti, on surveille, on n'a pas fait. 140 à Saint-Galmier. Hop là. Reçu, rappelez avant le largage. Je vois rien là. Delta 5. T'as vu ? Rappel avant de larguer Delta 5. On a eu un rafale, le niveau s'est allumé. Ah oui ? Oui. Il reste 2 minutes 50. Oui, on va les faire après. Non, on surveille. Mais là, quand, sur le rafale, quand on parle de turbulence, c'est ouais, allumé. Tu sens qu'il déjauge. Oui. Alors, tiens, regarde là, en dessous, t'as des choses intéressantes à voir là. Au moment là, on va arriver au-dessus des. Je me rappelle plus comment ça s'appelle la rivière. Tu vois plutôt à gauche là sur le champ tout vert. Ouais, non, dis-moi. Tu vois le champ vert à la gauche, là mets-toi dessus. Échangeur ? Le champ vert. Ah le champ vert. Le champ vert. On va voir des choses intéressantes sur la droite. Le champ vert clair là-bas, là, entre les deux forêts. Celui qui est juste devant nous, ouais, ouais. Ah là, il a les centres de rochers, un truc comme ça. C'est ça, voilà, ouais. Qu'est-ce que je pense? On a les rochers qui s'appellent les rochers du Sossois pour les escaladeurs. En dessous là, de mémoire. Et le point tournant suivant, c'est le village qui est là-bas. Dans 2 minutes. La route suivante, Johan, ça sera 250. Pour 4 minutes. Ouais, je confirme. Ouais, si tu peux shooter les rochers, Jonathan, s'il te plaît, ça marche. Ouais. En plus, ils sont super bien éclairés. On est combien, 3005 ? Le sol ici, on est haut. Hein. Là, ici, 8000 pieds, donc on est 2500 pieds. Voilà, tu vois le village qui est derrière, Johan, là ? Une fois qu'on a passé, une fois que tu vois les rochers en bas à droite, ouais. Tu tires légèrement à ta droite pour aller vers le voir. Il y a un château, quelque chose d'un peu remarquable. Et à ce moment-là, pour nous faciliter la tâche, tu fais un 360 comme ça. Enfin, pas un 360, un 270 autour du village. Clairement, de Fox Juliette de l'eau, oui, c'est ça. Voilà, donc les rochers du Sossois. Oui, écoute. Whisky Sierra, je suis en vue de Macron. Voilà. Je voudrais commencer la descente de Macron. Pour quitter, au revoir. Je vois personne autour, hein, tout va bien. Clermont de Fox Golf, il y a ça, bravo, bonjour. Avec une belle vue sur les rochers. Whisky Sierra, 130 de au revoir. Donc si on regarde là, on a une espèce de mur. On est à 25 minutes. Oui, on va changer parce que ça s'incline. Ouais, ça va clignoter encore. Et toi maintenant, tu peux changer des bandes. C'est bon, c'est et tu peux changer tranquille. En descente avec 5400 en plus. Rappelez pour changer avec Saint-Etienne. Il faut changer avec Saint-Etienne. Très bien, merci. C'est bon ? 15 degrés à gauche. 15 degrés à gauche. Tu es sur le central là ? Oui, c'est bon, jusqu'à l'arrivée. Okay. On a 100 litres, donc on a 2h30, 3h de donc à partir de maintenant. C'est bon. Voilà, donc on a Bailly, le château en dessous, on le voit. J'ai eu des installations fleurs pour quitter avec eux sur la tour 5. Bailly, le château. Ouais. 7000 et quitter, au revoir. Tu peux faire un 20 degrés. Journée, même 30 degrés gauche, 30 degrés droite, pardon, droite. Voilà, très bien. Et juste en dessous là. Donc là tu fais ça, hop, 360, quasiment 270. Tu mets à gauche de la rivière qui est là. Signal arrivé dans 5 minutes.
chambre Lima, profondeur 7000, déjà reçu, on contactera votre ADG directement d'ici 5 minutes, merci. Voilà. Scène du Fox X-ray, bonjour. C'est Colin Dia, je vous rappelle. Donc on va revoir le chêne à droite. Tu continues. 5 km, j'ai un planeur devant. 2-5 unités. C'est parfait. Fox Charlie, trafic planeur, ouest de la position nautique. Voilà, droite, regarde. Gauche, 900 pieds bas, stable. Fox Charlie. Et Fox Charlie, le planeur a visuel sur vous. Fox Charlie, je n'ai pas visuel pour l'instant. Donc on part, il est 43. On est suivant. Bon, c'est bon, 2-5. Fox Tourne Québec, j'écoute. Nous arrivons en 3 minutes de notre destination Lombardie. Donc on souhaiterait vous quitter pour passer avec vous. 2-5 Québec, 7000 quitter avant. Avec, ouais, on a 14 de face. On est tranquille. Alors, c'est une info du Fox. C'est une info du Fox. Je vais le synchroniser de l'opposant. Donc, Fox Golf Echo, India, Zulu, je vous rappelle. Altitude du château. Fox Echo, India, bonjour. 800 pieds, d'accord. Ouais. Bonjour. Nous, on peut descendre à 2000. Gardez pas trop secoué. On est secoué dans vos zones, là, quelques minutes. Mais là, on va tout rater, là. Devant, combien de temps il arrive à 3 minutes. Ouais, c'est bon. Fox Golf Charlie Echo, India, bonjour, identifié. Ouais, bien à gauche. Il se trompe. Bonjour, donc 70 France, il faut dire, c'est en défi. C'est n'importe quoi. Fox Echo India Zulu, bonjour, je vous écoute. Fox India Zulu, c'est un rondin de 3000 en provenance de la Ferté Allée à destination de Fontenay-le-Comte. Actuellement 3000 pieds pour l'information. 20 degrés à gauche. Bon, mais il faut qu'à côté. Oui, non, mais. Ouais. On va passer à côté du point tournant, il y a pour nous. Bonjour, transpondé 70, 32. 70, 32 pour le Fox X-Golf. C'est l'info du Fox X-Golf, bonjour. Et... La France, je vais décrire un méo des mains. Romain Lima, je vous écoute. Je souhaite entamer une descente pour 2000 pieds. Vu le canal à gauche, c'est comme si. Ça va bien entamer Lima. Fox India Fox. On est bien comme ça, tu peux rester là. Fox Hotel Delta India Fox en vue détente. Fox India Zulu, rappelez-moi 134 décimal 3. On a un mauvais soleil là. Fondez sur 134 décimal 3 pour le moment. Je pense que j'ai un visuel. Parfait, je vous remercie. Je pense que c'est celui de la droite de l'image. Le largueur hélico à Saint-Florentin, bravo Alpha. C'est comme ça, on est bien là. Bravo Alpha. Tu le vois, Jonathan? Bonjour, identifié, vers quel niveau? Le visage qui est à droite. Toujours personne dans les environs. À une heure là? Ouais, à une heure. Fox Golf Echo India Zulu, utilisez un indicatif complet, un autre appareil Lima India Zulu sur la même fréquence. On a des éoliennes. Correction 127 décimal 8 unité 5. Oui, on est bien là. C'est pour le ciel India Zulu, Fox Golf Echo India Zulu. Golf Echo India Zulu, rappelez-moi 127 décimal 8 unité 5. Excusez-moi, vous pouvez répéter la fréquence s'il vous plaît. 127 unité 27 décimal 8 probable, 115. Hein. Voilà la partie qui est ombragée là. Juste derrière dans l'ombre, il y a un village. Ouais, je le vois. Je pense que c'est celui-là. Oui, ça, je vois. Tu vois, il y a une grosse structure là. Ouais, on la voit.
Ouais. C'est correct, ça va. Donc tu vas tranquille, donc tu débordes. Quand tu vas bien à ta droite, tu vas à 30 degrés. Je vais avec Tango 7000 qui t'en va. Vas-y, parce que là, nickel, à plat, légèrement à droite. Au revoir, après mon départ. Alpha, Papa, bonjour, reaching Idaho 120 at stop down. Alpine 717, Papa, good day, descend level 70 on 6001, Bravo arrival. Descend level 701, Bravo arrival, and attack flight level 70 on 717, Papa. Donc il s'appelle Drew, il est bien tranquille. Assez remarquable, il est 15e siècle, je dirais, la louche. Peut-être même avant. Bravo Charlie, bonjour. Retour. Ok, 20 degrés à droite. 8, bravo Charlie, bonjour, je vous rappelle. Voilà. Ah, avec. Fox Juliette Yankee Kilo India, en sortie 7000, quittez la fréquence. Pas d'avion environ, pas devant moi en tout cas. Tu le vois, Yohan? Je vois très bien. Il y a un événement à l'intérieur. Fox Juliette Yankee Kilo Alpha, je confirme, prend son les 7000, quittez la fréquence. Après, tu vas au nord, quasiment. Ok, droit. 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 Bonjour, remontez pour le 135 à Saint-Denis. Pilatus, bravo Renault, bonjour, identifié vers le 135, rappelé à l'arrivée du largage. On est pas à l'heure. Rappelé à l'arrivée, bravo Romero. 31. Tu peux remonter 4100 si tu veux. Le prochain objectif, c'est Joigny, fin du rallye. Oui, c'est le Lima, bonjour. Break, break, Fox, Hotel, Delta, India, Fox, c'est l'info. Fox, Hotel, Delta, India, Fox, si vous me recevez, Sky Guidance. Donc, Joigny, on a 13 minutes. Golf Kilo Québec, Charlie, rebonjour. Golf Kilo Québec, Charlie, je vous rappelle. Golf 25. Novembre 388, bravo Charlie, je vous écoute. 45 minutes de Logne. Bravo Charlie, bonanza, nous faisons Châteauneuf, Lima, 35 minutes de Logne, c'est bon. En Beaumont, à 3000 pieds. Voilà, voilà. Novembre 388, bravo Charlie, bonjour, transpondez 70-34. 70-34 novembre, bravo Charlie. On est dans la zone de 7, tu peux les contacter si tu veux. J'entends bien, bonjour. Je vous l'ai, j'allais vous rappeler, dites-moi. T'as vu ça, Joe, là? Ouais, je vois là. Fox, bravo, excusez vous l'image, c'est un Cessna 172 en provenance de 5-5. C'est sur Yon, à côté, non? La décapite, Lima, Fox, sur Yon, c'est là, c'est bon? Non, 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 c'est pas là, c'est bien plus dur, bonjour. On vient d'être sur Yon, on est actuellement à 2800 pieds, au QLH 1020. Fox, bravo X-Ray Zulu Lima, bonjour, identifié, transpondeur 70-30. Transpondeur 70-30, Zulu Lima. Et Zulu Lima, rappelez-moi sur 134.875. 34.875, Zulu Lima. C'est correct. Delta Echo November, bravo, bah, Romeo, rappelez-moi sur 120. Bravo X-Ray Zulu Lima, c'est un collègue de Pontoise. Ah, d'accord. Un 172, je l'ai piloté. Delta Echo November, bravo, Romeo, come back, 120, décimal, 325. Ok. Je vais tenter de passer un correspondance. Je vais prendre le trait après. Fox Québec Charlie, en provenance de Cézanne, pardon, en provenance de Cézanne à destination de Logne, actuellement à 2400 pieds. Fox Golf, Kilo Québec Charlie, bonjour, identifié, transpondé 70. Transpondeur 70-30, Québec Charlie. C'est une information de Fox Golf Mike X-Ray Oscar, bonjour. Oui, s'il vous plaît. Fox Golf Mike X-Ray Oscar, bonjour. Golf Mike X-Ray Oscar, bonjour, je vous écoute. Le Fox Golf Mike X-Ray Oscar en Robin DR 400, 4 personnes à bord, en provenance de Darwa à destination de Logne, actuellement en 5 minutes sous de Dorster, 2500 pieds QNH, pour information de vol, s'il vous plaît. Fox Golf Mike X-Ray Oscar, bonjour, identifié, transpondé 70-30. 7-0-3-0 sur transpondeur, merci, X-Ray Oscar.
Delta Bravo Romeo, Radio Lab Infirme. Donc la grande ville qu'on voit là-bas, je me demande Fox si Hotel, c'est Delta India Fox. Auxerre à droite, Jonathan. C'est la ville d'Auxerre à droite. Hein. Là-bas, là, ouais. Là-bas. Open info de Fox Golf November, bonjour. Fox Golf November, good day, pas sur le site. Pascal, je monte à 3000. D'accord, oui, on a le temps. Fox Golf novembre, liberté à 28, deux personnes à bord, provenance d'Autun et l'FQF, en destination d'Autun et l'FQF. Ce sera pour un transit par vos zones jusqu'à Joigny et un retour. Actuellement au niveau 60. Combien après Joigny, il faut descendre à combien de temps on peut continuer encore après Joigny. Novembre identifié, transit 70-30. Jusqu'à Bray, on doit mettre un Bray à 2005. Non, mais c'est encore plus loin. Orléans est actif. La marge, je te montrerai. On a une belle marge. Echo India négatif, les zones de Orléans ne sont pas actives. Donc je prends ça à la fréquence, merci. Jusqu'à Brie, j'ai noté qu'il y a. On descendra avant Brie. Je vais faire de manière que après je serai à 2005. Ouais, c'est sûr. On prendra 2005 pour arriver sur Brie. Donc là, tu peux suivre le trait maintenant. T'embête plus. Faut que ce gosse le kilo qui avec Charlie 7000 quitte, au revoir. Bon, ben voilà, Auxerre. Hôtel Bravo Zulu, Kilo Novembre, bonjour. Hôtel Bravo Zulu, Kilo Novembre, je vous rappelle. Et y'a un grand château à Auxerre ou quoi là? On voit à gauche là, dans l'ombre. Ce golf Kilo Québec Charlie 7000 quitté, au revoir. À mon avis, c'est plus une cité qu'un des châteaux. Ah ouais? Bah sans doute, ouais. C'est l'info du Fox Issa Golf, bonjour. Hôtel Bravo Zulu, Kilo Novembre. Et on monte pour les secours ici. Bonjour, Kilo Novembre, Super Pima, provenance Lundi, on est au sud des loges, 4000 en montée vers 75, c'est d'abord pour Adam. Hôtel Bravo Zulu, Kilo Novembre, bonjour, identifié, transpondeur 70-30, niveau 65 maximum dans votre zone, je vous rappellerai pour plus haut, et attention de l'activité de planeur au départ de Pont sur Yonisson de Nombre. 70-30, 65, et on revient pour le planeur, merci Kilo Novembre. Ouais, en fait, t'avais raison, c'est pas une cité médiévale, c'est une cité tout court. Exactement. Enfin, je pense, hein. C'est pas pareil. Hein. C'est l'info du Fox X, Régolte, bonjour. Alors, où est-ce qu'il est le terrain d'observation papa, contact de Google. Oui, je vais en faire. Tu le vois, Joe? 1-1-5-5. Alors, la forêt, on est loin de la forêt. Dans la forêt, t'as beaucoup de zones d'ombre sur la forêt, t'as une zone toute verte éclairée. Ouais, bah c'est là. Ah ouais, je le vois, ça y est. Et on voit le seuil de piste. Donc le seuil de la 18. Et où c'est ça? Ça c'est où c'est la l'image là. Et une destination qu'on fait pour faire notre 150, ouais, on sert 3RS, c'est les destinations qu'on fait d'accord. À Lognes, c'est ici les plus pratiques. Tu fais ça en week-end, en semaine, t'as un agent à fils. Novembre 388. Donc si tu veux qu'on t'explique le tour de piste, hein, tu nous appelles. Bravo Charlie, je vous écoute. Bravo Charlie, quelle est la position et recycler 70-35. 70-35, nous arrivons en travers est, Montargis. En fait, le tour de piste même, tu vois, il est, tu le faut le prendre très large. Pour passer juste, on passe quasiment à côté du tour de piste là. Ah ouais. Ah, il est après, les, après la ville. C'est les villages en fait, il faut les contourner comme ça, et après tu vas dans l'intérieur là-bas. C'est en gros, on est quasiment à côté là. Fox Charlie Golf, Fox Charlie 7000 quitte, au revoir. Merci, au revoir. Alors, on quitte Bravo Alpha tout à l'heure, on passe 8000 qui en descente. Bravo Alpha quitté, à tout à l'heure. Alors, c'est le rebonjour, Papa Novembre, remonté vers 215 sur Montargis. Papa Novembre reçu, rappelé à une du largage. Alors, il est Papa Novembre. Donc on a Joigny à droite là. Ouais c'est ça. C'est bizarre ça. On a du... Ah ben oui d'accord, je disais, je le vois pas en face. Là on a 15 nœuds donc en fait on a 10 degrés de décalage. Ouais. Tu vois la ville de Joigny, Johan? Ouais. Donc là Jonathan, t'as un terrain, Joigny, LFGK. Golf Mike, intéressant à poser.
t'arrives sur la piste qui vient, qui est à l'ouest là. Ouais. T'as fait une pente, tu descends, c'est t'as le terrain comme ça, puis ça fait une pente qui descend. Tirez pas façon porte-avions parce que c'est pas assez violent. Enfin, c'est un peu le cas quoi. Balèvre. C'est léger. Par contre, de l'autre côté, tu passes juste au-dessus de la forêt. Rappelez-moi 127 décimales 8, unité 5. Ici, tu as l'autoroute à 6 à nouveau là. November 150 Echo Kilo, if you descend, you will be in uncontrolled airspace momentarily until reaching 10 TMA, is that okay for you? Echo Kilo, then maintain level 70 and I call you back for 10. Yes, flight level 70, November 150 Echo Kilo. Fox Golf Sierra Golf Delta, rappelez-moi 127 décimal 8, unité 5. Vous répétez Fox Golf Delta? Golf Delta 127 décimal 815. 127 décimal 815 Fox Golf Delta, et c'est quelle fréquence? C'est la fréquence de Seine, mais pour la partie de l'espace dans laquelle vous vous trouvez. Bien reçu, ils ne sont pas en grève? Négatif, on travaille bien. Je vois ça, merci beaucoup, merci de bonne fin de journée, au revoir Fox Golf Delta. Ce sera toujours moi, à tout de suite. Ah, à tout de suite. Delta Echo November, bravo, Romeo, be advised, there is a skydiving activity overhead, Saint-Florentin, Lima, Fox Golf, papa. On va légèrement à gauche, sinon on va mordre sur Joigny. Delta Bravo, we will stay clear of the area, thank you. C'est l'info de Fox Golf Delta, oh, bonjour donc. Golf Delta, forêt claire, je vous remercie. Dans 3000 pieds, on passe au-dessus des tirs de piste, on est bon. 15 échos uniformes avec l'approche de balle sur 124 décimales, 105, au revoir, bon vol. On attend. Écoutez, merci pour le courage. Bravo Roméo, une minute, tu parles. Merci, voilà. Tu vois la ville là? Ouais. Tu remontes, t'as un peu de forêt, à gauche t'as des champs en vert. Trafic sud, position couleur baron. Et derrière t'as un machin qui part de gauche à droite. Je suis posté en fréquence avec vous. Barre de gauche à droite, c'est le terrain. Au-dessus, juste au-dessus de la ville. Bravo Roméo, répète. Derrière la forêt en fait. Et là t'as un barrage de gauche à droite, c'est le terrain. C'est l'info de novembre. Juste là, c'est la piste. C'est un barrage. Ouais, en fait ça c'est la piste, mais on va pas verrer encore. On voit la piste en fait. À peine. C'est parallèle à la forêt. Il y a un trou dans la forêt, c'est là-bas. Avec 3 personnes à bord en provenance de Saint-Dié-des-Vosges et à destination de Compiègne. On est actuellement à 4500 pieds et au travers nord de Saint-Dié. Nombre 103 et Coyon qui Donc la destination c'est bien Compiègne et l'aérodrome de départ c'est Lima Foxtrot Golf Yankee Saint-Dié des Vosges. Golf Yankee, je vous remercie. Ça c'est un temps pour voler ça. Ça te reboule un peu quand même. Ouais, ça va pas gêner derrière. Ça va, ça va. Juliette Tisseret, on sort pas les sacs. En sortie, quitter la fréquence, au revoir. Je tourne à gauche pour éviter la ville. Ouais. Il est beau le terrain là, perché là. Oui, tu vois, c'est ce que je te disais en fait, tu vois. Ça fait pas comme un porte-avions parce que c'est pas assez important, mais... Albert Vélema, Fox Kilo Alpha. Voilà. C'est combien la piste, Yohan, je sais plus. 7 ou 800 mètres. Bien le bonjour, le Fox Golf India. Fox Golf India, je rappelle. Hôtel Kilo Novembre, rappelez-moi 120 décimales 325. 120, 325 Kilo. Donc en dessous on a Lyon. Donc Lyon, ce que je te propose à ce moment-là, c'est de rester à gauche de Lyon. Le Golf Novembre, est-ce qu'il y a une info de franchement à gauche là, comme ça on pourra voir toute la remontée. Mais ça on va sur Champs qui est en face là-bas. Attends, je vais à droite après je repars à gauche, je te montre. Bien reçu Golf Novembre, ça déroute un peu pour faire un direct Lyon. Maintenant par la suite du vol à voile au départ de Pont-sur-Yonne et de Troyes. Avant c'était un terrain restreint parce que la forêt c'est juste au bout. Et là ils ont coupé au bout de la forêt, ça se voit, ouais. Au bout de la piste, et comme ça, et depuis il est ouvert au public.
Bah ouais, je vois. Parce qu'avant c'était trop compliqué et ils étaient en restreint. Et quand ils ont coupé ce petit carré là au bout, ils ont ouvert en 70-36. Bon après t'as pas de moteur en décollage. Oui, c'est pour ça. Les pilotes d'ici, ils me disent qu'il faut décoller souvent dans cette direction-là, ah ouais. Même avec des composantes devant derrière. Altitude 3000 feet, QNH 1019er, cleared RNP approach on the way 20. Descent 3000 feet, QNH 1019er, cleared RNP approach runway 20, November 150, Eco Filo. Vous voulez rester à gauche, Pascal? Oui, donc à ce moment-là, tu vises la zone industrielle, entre la zone industrielle et les étangs, là. Et après, tu restes à droite et tu remontes, en fait. Fox Golf Delta, le transit MA, Seine approuvé. Reçu, le Fox Golf Delta. Attention, on n'aura pas tiré à regarder à droite. Non, à droite, on va voir peut-être la forêt. J'ai un trafic, je crois que c'est le DR400, Fox Hotel Echo Charlie Oscar, sud de la position de nautique en route vers l'est, pas de trafic à vous signaler. Rappel en descente, rappel en Fox Echo Juliette, en sortie 7000 et quittez la fréquence, au revoir. 7000 en sortie, on quitte la fréquence, Fox Echo Juliette, merci, bonne journée. Novembre 103, Echo Yankee de l'activité planeur au départ de Chalon et Curie. Reçu pour l'activité planeur, on va recueillir. La forêt là-bas. Bravo Zulu, pile en avant pour monter au 80. Hôtel Bravo Zulu, pile au novembre, la montée approuvée, pas de trafic au ciel. Pile en avant. Fox X-ray Oscar de l'activité planeur au départ de Pont-sur-Yonne, Moret et Bruno Bonneau. Reçu, extrait Oscar, merci pour l'information, monsieur. Oscar, rappelez-moi 134, décimal 3. 134, décimal 3, dans un instant, extrait Oscar. Désormais sur 130, 134, décimal 3, extrait Oscar. Sur Oscar, je vous remercie. Merci. C'est l'info de Fox, Whisky India, bonjour. Donc, 1009 sur Yonne. Whisky India, c'est l'information. Bonjour. Mais la cathédrale à l'enfou là. C'est l'info. Alors là, on a une grosse Juliette Yankee, Whisky India. D'abord, on a sens, je te dis ce qu'on va faire. Motoplaneur ULM Lambada, une personne à bord en provenance de. Moi, je pensais que le rallye est terminé, mais apparemment non. Non, c'est pas ça, c'est pour ça s'il vous plaît. Actuellement, vers sud de Coulommiers, transpondeur 7000. Donc, 1009 sur Yonne, depuis le temps que je voulais y passer, bah tu vois, finalement, c'est maintenant. Fox Juliette Yankee, Whisky India, bonjour, identifié, transpondé 70-30. 70-30, Whisky India. Là, je continue. Ah ouais, tu suis Lyon. Ok, je te laisse en ascense, on va là-bas après en fait. Donc, comme toutes les fois, quand on passe dans le secteur, voilà, tu peux prendre un degré à droite. Quelque part sur la gauche. Nous avons le seul, l'unique, le vrai, le grand haut volcano. Voilà. Pendant qu'on te salue. Et tu as passé de voir. Mais bon. Pour faire un choix, et donc on passe pas loin, mais pas à côté de toi. C'est l'info, hélicoptère Bravo Alpha, ouais. Oh, bonjour, Bravo Alpha, je vous écoute. Monte au 80, s'il vous plaît, pour l'eau largue à Saint-Florentin. On est 6 à bord, 3 plus 3. Bravo Alpha, c'est reçu un peu de largage. Appelez minute largage, Bravo Alpha. Donc Johan, tu bois 100 ce qu'il y a. Quand je te le dirai, tu prendras 60 degrés à droite. Tu vois le champ de carré là, marron foncé dans du marron clair. Ouais, tu le quand je te le dirai. Là, je vois un train qui passe. Ouais, donc je vois pas. Tu vois le train là-bas, derrière la ville. Ah d'accord. Bah oui, c'est ça. Alors juste à gauche même. Novembre, en gros, tu vises le train là, quand je te le dis. C'est là. Bah tu peux commencer à virer 30 degrés là. Quand on dit 30 degrés, c'est 30 degrés d'inclinaison? Ouais, 30 degrés d'inclinaison. Le fusil d'arrêt, l'activité de planeur au départ de Buneau et de moi. Voilà. On va vivre le planeur à Buneau et de moi. Sur le carré, là, c'est bon. Voilà. C'est l'info du Fox X-ray Golf, bonjour. X-ray Golf, bonjour, je vous rappelle. Fox novembre 388, Bravo Charlie, restez vigilant de l'activité de planeur au départ de Moret et de Buneau. On va laisser une information en avant, Bravo Charlie. Donc ce qu'on va faire,
C'est un plan qui serait golf. Donc tu pars à droite. Oui, bonjour monsieur, c'est le Fox 32. Et on va garder sens sur notre gauche. Provenance Semir-en-Auxois, destination Poussus-Noble, et on est deux personnes à bord. Je voulais le mettre à droite, mais bon. Si on le garde à droite, on passe vertical de LFGO. Golf, 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 X-ray, golf, bonjour. On va venir mettre le frein dans les planeurs. 70-30 au 30 rondeur, X-ray, golf. Là, il y a un truc amusant, là. Je sais pas ce que c'est. Micro-circuit de moto, sans doute. Delta, Echo, Lima, Echo, Echo. On attend à ta gauche, vide de sens. Quelque part au milieu, on voit la cathédrale là. Delta, Lima, ouais, Echo, je la vois. Echo. Je la vois. Delta, Echo, Lima, Echo, Echo, et Cessna 172 from the VFR flight from Troyes to Limoges. Passing 2500 feet, climbing 3000 feet. Just in 12, departed and request traffic information. Delta Echo Lima Echo EO Echo Good Day identified Squawk 7030. Squawk 7030 Delta Echo Lima Echo Echo, thank you. Delta Echo Lima Echo Echo, there is a skydiving activity overhead Lima Fox Golf Papa. This jumping activity is copy Delta Echo Lima Echo Echo. Zulu Lima. Zulu Lima. Zulu Lima, trafic VFR Robin 300, midi, un nautique sans s'opposer, 500 pieds au stable. Donc tu mets sens bien à ta gauche et tu prends une route au nord, pile au nord. Donc India Zulu, trafic. Oh là là, je vais faire le directement vers le vent. Sans s'opposer, 400 pieds bas. Ouais, 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 ouais. En faisant bien de ne pas croiser les autres de... Là, reste là. Ouais, tiens, tu vois, regarde. À l'antenne devant là, il passe un nautique à droite, on est sûr par rapport à Géo. Ça fait la minute, je suis à l'aise là. Par rapport à quoi? Golf Scar. Non, sérieux. Bon, sur Yacht, qu'on voit là-bas. Vrai qu'il faut que ce joue Lima, le trafic est visuel sur vous. Parce qu'il y a de planeurs à penser. Rien là, on l'a pas vu. Donc là, on reste sur cette trajectoire divergente. Oh, bonjour, du planeur Zulu Romeo. Jonathan, on voit là-bas le terrain en dépit dans l'axe. Bonjour, je vous rappelle. L'axe de piste de Bon sur Yacht. Là-bas. C'est le seul endroit vert parmi les autres qui est marron. Ah oui, là-bas, oui. Il y a des bâtiments en bas à gauche. Ah ouais, ouais. C'est cette piste gazonnée, oui, c'est un peu difficile à voir. Mais on voit que de vert un peu plus clair. Ouais, je l'ai. Il y a deux pistes, deux pistes parallèles. 32 droite et 32 gauche de mémoire. 10h, 11h, 3 nautiques gauche-droite. Donc là, on veille. D'accord, Lima India Zulu, j'ouvre l'œil. Et je vois pas de planeur là. Zulu Romeo du planeur, je vous écoute. On est surpris dans 3 minutes en principe. Planeur en provenance de Chartres. Je suis à 40 km. 5 minutes encore à près. 5 minutes à Brive, on a un vent de face alors. Ah ben oui, on a une demande de transition. Donc on a dû diverger un peu. Alors Zulu Romeo, tout le monde est un planeur sur vous. Je vois 1 sur 5, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Ouais, 10h. Ouais, visuel. À gauche, à l'ouest passe du dans le ça serait pour une demande de... T'as vu Jean-Luc, merci. France. Zulu Romeo, pas mieux, vérifiez que vous étiez bien sur l'alternat et répétez votre message. On a un circuit de voiture en dessous là. Planeur Fox, Charles. Je n'avais jamais vu ça. Hélicoptère Bravo Alpha et limite de largage, j'ai un visuel sur un appareil à peu près même FL que moi. Dans des 11h maintenant. Affirme Bravo Alpha, il bordure la zone de parachutage, même altitude, pas d'autre trafic à vous signaler. Je le vois plus. Il a pris, il change pas de cap, il reste à peur. Négatif, il s'éloigne en route vers le sud-ouest, sud-est monsieur. Super, merci, 30 secondes de largage Bravo Alpha, je vous rappelle à la descente. Là encore en VVL, Jean-Luc, je l'ai plus. A mon avis, il est passé derrière notre aile, mais je suis pas sûr. Pas plus à gauche. Ça me paraît un peu rapide, mais il y allait vers la gauche, donc on est tranquille là. Pendant que vous regardez à gauche, moi je regarde à droite. Reçu, Whisky India. Lima X-Ray Alpha India Zulu, l'ULM a visuel sur vous. Bien reçu, Lima India Zulu, moi je ne vois pas.
novembre 380, bravo Charlie, tronçon des 7000 et quitte, au revoir. Ok, novembre, bravo Charlie, merci, au revoir. Bravo, Papa, à 2 heures à peu près là. Je vois les deux réacteurs, enfin les deux tours aéro réfléchirés de nos gens sur scène. Ouais, je les ai. On était tout à l'heure là. Dans l'ombre là, ouais, tout à fait. Et Brice c'est devant et le Vore il est quelque part à gauche dans le terrain là. Et donc c'est bien parce qu'on va voir la passer de gauche dans le terrain. Le Fingas, parfait, 7000 quitter, au revoir. 7000, bonne journée, Golf City, au revoir. C'est un peu crassouilleux quand même là. Ouais, la visibilité a descendu. Un peu crassouilleux quand même. Fox Bravo X-Ray Québec Tango, bonjour, je rappelle. Lafayette Bordeaux. Fox Bravo Papa Hôtel Yankee, bonjour, je vous écoute. Bah, Québec Tango, c'est aussi Bravo, un. Bravo Papa Hôtel Yankee, un rallye 4 personnes à bord. Dans 2 dollars, à destination de Charleville. Actuellement 4000. Là, tu pourras descendre, Johan. Au nord de la Papa 72, pour l'information de l'hôtel. On est avec Céd, on a la classe D après Fox derrière. Bravo Papa Hôtel Yankee, bonjour, identifié, transpondeur soit. Après, je serai à 2005. Je descendrai à 2000, tranquille. Bravo Alpha, quittez la fréquence à tout à l'heure. On a la vie de Bré, on a le Vore qui est là. Fox Echo 2 fois, c'est l'information, bonjour, je vous écoute. Fox Echo 2 fois, un PA28, 4 personnes à bord en provenance de Chartres, à destination de Toussieu, actuellement au nord de Chartres. 2000 TQNH 1017. Fox Golf, Fidia, Echo, bonjour, identifié 70-30 au transpondeur. 320 même. 70-30 au transpondeur, Fox Echo 2 fois. Route suivante, 320. Delta Echo X-Ray, Delta, c'est l'information, bonjour. Mais je veux dire, c'est que si tu prends celle-là, tu passes au-dessus de danger. Delta, bonjour, identifié 70-30-30. Novembre 103, Echo Yankee, 7000 et qu'on n'ait pas d'informations de vol par la suite, Paris est en grève. Quittez la fréquence, au revoir. Je quitte la fréquence, il n'y a pas d'informations de vol pour la suite. Et je transporte de 7000, novembre 103, Echo Yankee, merci, au revoir. Delta Bravo, bien en vue, c'est trop bien, c'est meilleur, c'est pas bien. TMF Saint-Divis, not active Delta Bravo Romeo. TMF Saint-Divis, not active. Ok, tu peux tirer les couleurs à droite, Joe. Tu t'as tiré les temps là. La vallée de la Bassée qui va de nos gens. Fox Golf, nous on rappelle 134 décimales 3. Fox Golf, on rentre sur 134.3. Fort éclair, je vous remercie. X-ray Oscar, je maintiens 2500 pieds, je reste avec vous sur la fréquence, ça vous convient? Qui veut rester sur la fréquence? X-ray Oscar, à 2500 pieds. X-ray Oscar, restez sur la fréquence. Restez X-ray Oscar. Donc c'est bon, on peut rester 2005. En plus, là, cette classe est déclassée le dimanche. Ah, le dimanche, c'est déclassé. Normalement, c'est déclassé. Hein. Donc c'est pour ça. Et donc après là, c'est bon, après ça va mettre 118 des 626. Ouais. Et juste te dire à quel moment il faut redescendre à 1005, la classe A. D'accord. Bon, on a encore de la marge. Hein. Tant qu'on est à fond de
Alors, Jonathan à droite là-bas. Ouais. Tout au fond, c'est Provins. On y est passé ce matin. Là-bas, là, dans, la, dans les forêts, là. Une heure avant l'aile. D'accord, ouais. Ouais. Qui est un peu à l'ombre. Ouais, je le vois. Et ici, tu vois, regarde bien à droite. Faut que c'était Lyon qui en sortie cette nuit. Un long viaduc, là. Un long viaduc. 45, au revoir. Bonjour, 79, c'est ça, le 45. Donc, à travers de Angers, je descends 1500 pieds. D'accord. La verticale d'Angers, je reste 2005. Et après la verticale, je descends à 1500. Bonjour. C'est correct, ça, celle pas en retard, c'est nickel. On a un planeur totalement à droite, mais il est plus haut que nous et assez loin. 2 heures à droite. Il y aura 2 heures, c'est à droite. Hein. Derrière notre aile, non, pas à 2 heures, derrière notre aile. Ah oui, planeur, oui, 4 heures. Visuel. Ah, je l'ai. Ouais. Ah, regarde le viaduc, là on le voit bien. Il y en a un autre d'ailleurs à 3 heures. Très loin. Donc ça s'appelle Longville, de mémoire. Là, un point remarquable, c'est une grosse gare de triage en fait. Ah ouais. Ah ouais, on la voit derrière. Ouais. Bon, on est à la maison, Johan. On est au 3, donc on a largement de quoi rentrer. Moi je propose qu'on se fasse encore 1h30 de vol en plus. On va improviser un vol, Johan. Alors, quand tu arrives au sud de Coulommiers, tu vas à droite, on va voir Château-Thierry, Soissons, Pierrefonds, Compiègne. On a une nave en retard, je crois. Il m'a écrit Alpha India. Une débrouille avec le pilote. Le départ à destination, s'il vous plaît. Bah c'est long dans l'axe, t'as Pontoise, mais faut traverser Paris, quoi. Ah, je veux bien essayer, Johan. Est-ce que vous avez déposé un ça peut t'arranger, mais t'as ta voiture à l'avenir, là. Vers le Luxembourg. Je pense pas qu'on atteigne Pontoise si on traverse Paris. On sera mort avant le périph. Mais non, mais non. J'avais activé, j'avais décollé... Bon, je l'ai déjà fait, hein. Ligne droite, l'Ornier... Par contre, est-ce que vous avez déposé un point d'IFR? Oui, tous ceux, en IFR. On te fait IFR, à quelle hauteur? À 6000 pieds, et tu fais direct. On a survolé Château de Vincennes, le périph' sud. Pas mal. À 6000 pieds, quoi. On commence à avoir des installations de Nangis. 3, 2, 5. On a le droit devant là? Oui, c'est les hangars de Nangis. Ah ouais, effectivement. 120, 3, 2, 5, grand vide, les bagues grand puits. Affirme, à tout de suite. A tout de suite. Bon, ça vous a plu les gars? Ouais. Comme quoi, il y a des endroits en matière à faire des rallyes et des navigations où on sort. Pas de lieu. 120 décimales 325, Lima India Zulu. Faut éclairer, je vous remercie. Il raccrochera à ça. Encore il a l'intégration à Logne, il a sans contrôle. Ouais. Donc on arrive. On arrive les Eco 1200. On arrive Eco 1200. Après Eco, je remonte à 1500, je fais vertical. Et je redescends pour ce prévier à 120 des vivants par rien. C'est ça? Ah bah je sais pas moi. Pas grave, c'est bon. Donc, on fait vertical mais à 1500 pieds, après on redescend et on fait 20 pistes, 20, normalement piste 26 main droite. Intégration vent arrière, fin de vent arrière, ouais. En, début de vent arrière, pour 26. Oui, début de vent arrière. Hôtel Oscar, novembre, d'accord. Bonjour, je vous écoute. Fox Oscar novembre, un DR400, 2 personnes à bord en provenance de Bourges, fais le milieu en arrivant. Destination de Saint-Denis de l'hôtel et on est à 2300 pieds. On passera aux abords de Trésilis
sans contact, sans rien du tout. C'était le Sierra Oscar Novembre identifié, transpondeur 7030. Transpondeur 7030, Fox Oscar Novembre. Trésigny, c'est le Papa Québec, c'est ça? Je vais m'éloigner à gauche. Quality 939 Tango, good identity. Donc à gauche, là, Jonathan, on va passer un peu loin, mais à toute la CPR de Belin. Bravo 130 to Mike, Mike Delta, quality 939 Tango. Négatif, quality 939 Tango, c'est loin là. Tu vois là où il y a un truc qui brille? Ah oui, ça doit être en plein dans la CPR. Bravo 120 and right turn to Mike, Mike Delta. C'est grand, c'est grand, c'est vraiment immense. Il va y avoir une quinzaine de, Ah ouais. Charlie Alpha, pas de trafic à vous signaler. Ouais, un peu comme à Pontoise, quoi. Quality 939. Là, on commence à voir un engin à gauche. Il y a les terrains qui sont enlevés. Et après les terrains, il y a les hangars qui sont enlevés. Et après hangars, il y a la piste. Après les hangars, il y a la piste. Ah oui, d'accord. 05. On ouvre les yeux s'il n'y a pas un ventre. Non, en fait, elle est juste là. Donc Fontenay-Trésigny, on est encore 2005, par contre après on a 1 minute 30 pour descendre. T'as pas dit un truc là? Fox Golf Mike X-ray Oscar en sortie, 7000, quittez, au revoir. À 7000, au revoir monsieur, merci, X-ray Oscar. Tango, vous poursuivez vers l'ouest ou vous, vous rentrez à nouveau? Ça va passer ça ou pas? Là, on roule au point d'attente de l'intérieur, dur point local. Et dernière fois du photo de Saint-Pierre, bonjour, c'est à 28, 3 personnes à bord. Parking ça et on roule au point d'attente 26 heures, bien avant, derrière le spot. Fox, ça va. LFPO 62 fois en pénicule, 500, on se portera vent arrière pour la 28. Fox Golf, c'est direct au Québec, monté initial 26 heures. Ah ouais, je t'en vais à 200. Fox Papa Juliette en finale, piste 26 heures pour bascule. Tiens, regarde, on est vertical terrain à la gauche. Là. Voie d'Angis là. Québec Charlie, on a passé la verticale des installations et j'ai sur le trafic en vent traversé sur le circuit de la initiale. On va se reporter derrière pour une intégration et un complet en votre studio. Juste Tango, début de vent arrière 26 gazonné complet. Québec Kilo, on vire en base 20, ils font un complet 26 durs. Correction Fox Québec Kilo, on se aligne en finale 26 gazonné pour permettre les départs. Merci beaucoup, donc Fox Golf Sierra Oscar décolle 26 heures. Fox Golf Sierra Oscar, ok, début de vent arrière, piste 26. Bonne information du Fox Golf Sierra Oscar, j'attends 26 heures. Papa Juliette, piste 26 heures dégagée sur novembre 4, on route sur novembre, puis Tango 2 pour partir des égaux. Bonne journée. Ah ben Joe, tu vas regarder à droite, Jonathan. Ouais. À 1h tendant à 2h. Correction pour la barrière finale, sur la gazonnée. À une forêt comme ça qui est isolée. Champ vert, champ marron. Et derrière, t'as encore une forêt. Ouais, je la vois. Tu vois, eh ben, à la lisière de la forêt, LF pour un complet, va faire des gazonnées. Ah oui, le bâtiment de la forêt. Début de vent arrière, donc il y a un bâtiment qui est au milieu de la forêt, en gros devant là. Blanc là, il est en garde. Devant en latéral. Alors on doit être juste à la bordure de la cimetière de Melun. Ouais, je confirme.
fait, elle est en classe golf le week-end. Non, ouais, on est juste à la bordure. Oui, alors je rentre pas dedans, mais elle est golf, ouais. Donc, il est où, enchanté. Tu le vois, là, Jonathan? Ouais, je l'ai. Top action qui est monté initial. Dans 6 heures, je reporte vent arrière, 1500 pieds, pour être sorti, go. Bien fou, bonjour, les vacances à environ 3 minutes au sud de l'installation au point vertical terrain des 50 pieds. Et 500 pieds dans... Le golf India au Québec en début d'étape de base sur la 26 gazon. Touché sur la 26 gazon. Je suis en descente. Je serai tango au final, 26 gazon est complet. Quand on se passe sur les hangars, c'est 1500 je pense. Marquez votre service en devant arrière, puis c'est dans cette position, complet, votre visibilité sur l'étoile. Donc, le kilo, l'artiste gazonné est dégagé, on roule par la gauche, au barquisier, on va faire un whisky de Québec kilo. Et d'ailleurs, il y a un seuil super décalé là. Il croit quoi? Il y a un seuil très décalé là par rapport à la piste. Ouais, ouais, tout à fait. Il fait un ou deux touchés là. Donc là, c'est la ville de Fontaine des Îles. Donc on est sécure là. Donc là t'arrives par le... par novembre. Oui, par écho. Non, mais sur novembre là. Non, je vais partir à Pékin. Donc le Golf India au Québec, en finale là, sur la 26 gazonnée, j'ai deux trafics devant moi. Bon, c'est bon, j'ai le GPS. Ah ouais. Là je reviens. Faut que dans deux fois on remet les gaz 26 gazonnées. Novembre, il doit être juste à gauche. Alors, maintenant on s'en fout de novembre, hop là, on redescend. Et là j'aurais besoin d'un peu de silence pour la radio. Juste si vous voyez un trafic. Ouais, on comprend. À part le trafic, il faut... Il faut la gazon est dégagé. Et il faut que j'écoute qu'est-ce qui se passe. Ah bien. Sur une fois, donc on a monté initial 26 gazonné, on va se reporter vertical 1500 face au sud pour l'instant cadran. Donc ce golf India au Québec, remise de gaz, 26 gazonné. Donc ce Québec kilo, on est à whisky 2, on croise les axes 2 là, 26 gazonné. Donc c'est Tango, Sierra 5 par la gauche, on va rouler Sierra, puis on rappelle le whisky pour croiser. Ouais, on passe. Fox Golf India, vertical terrain 1500 pieds, on se parallèle à la montée initiale. Faites ça en bon ligne à gauche. Québec Hilo, les axes de la Dure sont croisés, on arrive sur novembre en direction du parking Guillaume Elia Tango 2. Fox Québec Charlie, piste 26 heures dégagée, on roule pour le parking des Aiglons par Tango 2. Pour moi, y'a rien, Johan. Vois rien. Fox, Papa au point éco, 1500 pieds, on quitte la fréquence à tout à l'heure. Et dernière information du Papa Chanky, vertical éco, 1500 pieds, en sortie vers l'est, je quitte la fréquence. Fox, X-ray Tango, Whisky 2, on croise les axes et on roule novembre Tango 2 pour Aeroflex. Ça va. Pas de trafic? Ah non, le terrain est là-bas. Oui, mais... pas de trafic, hein, je vois rien. Lonnie Info de Fox Golf Mike X-ray Oscar, bonjour. Lonnie Info de Fox Golf Mike X-ray Oscar, on rebondit d'air 404 personnes à bord. En retour de Darwa, à 3 minutes de point écho, 1200 pieds. Je rappelle, point écho, 1200 pieds pour une intégration. Donc ce Golf India au Québec, début de l'intérieur, piste 26. Donc de fort, on approche la verticale 1500 pieds, on va débuter un exercice d'encadrement en face au rien. Sud pour la 26 gazonnée. Surtout les retards, le retour c'est de droite. Donc regardez à droite. Toi, Joe, tu peux regarder à droite et toi, si tu en as à gauche, t'arrives par novembre, c'est derrière là.
moi je regarde devant. Village Nature, Je vais à gauche et puis je rentre. C'est copié, bah, je serai à droite, pardon. Reçu. Fox India, vente arrière, point complet sur la 26 heures. Bouge rien. Fox Golf India, Coquetec, début d'étape de base, piste 26 heures. Deux fois, dernier virage 26 gazonné, encadrement. Bon, pour un complet. Et trafic à 3h. Ouais. Okay. Deux même. Okay. Deux trafics. Okay. Il y en a un qu'on croise. C'est bon, je vois les deux. Ok. Il y en a un qui s'éloigne. Et lance. Echo à 2 minutes. Pardon, extrait Oscar à 2 minutes 30 de point Echo sur l'autoroute. Dernière information du Fox Québec Uniforme, à 5 minutes du point Echo en retour de Coulommiers, 1500 pieds. On rappellera à prochain Echo. Votre Fox India Echo Québec, finale 26 du 1 pour approcher. Derrière. Bon, ce soir, on a quitté le sud de Disney en retour vers Echo en descente 1200 pieds. Ouais, et derrière, un nautique, il reste derrière. Fox Québec Kilo, parking Guillaume, merci de la fréquence, bonne soirée. Et donc Fox, ça va, on est à 2 minutes est du point Echo, en descente 1200 pieds, on rappelle Echo. X-ray Oscar, à 10 secondes de point Echo, 1200 pieds sur l'autoroute. Fox Alpha, Isia, on vient en base, point complet sur la base de X-ray Oscar, 1200 pieds, point Echo, je remonte 1500 pieds et je rappelle, vertical terrain 1500 pieds, X-ray Oscar. Fox 32 fois, on a dégagé la 26 gazonnée. Bon, je t'ai vu descendre l'autre. Et la information du Papa Oxygène qui rebonjour, retour de local, 3 minutes d'écho, au travers village nature, je rappellerai écho, on a actuellement à 1200 pieds, QNH. Papa Oxygène, Québec, montée initiale, partir. 1200 pieds maintenant, et à 10 minutes d'écho. Personne dans le sens. India, en finale, pour un complet sur la base de X-ray Oscar, à 30 secondes de la verticale, 1500 pieds, on a VGL sur la montée initiale. Vos intentions à montée initiale de trafic? Le trafic est en montée initiale, vos intentions s'il vous plaît? Fox Golf India Echo Québec en montée initiale 26 heures pour un tour de piste sur la 26. Merci, extrait Oscar. Je fais vertical 1500 pieds, extrait Oscar, pour en complet. Je rappelle début vent arrière à main droite 26 pour en complet. Et ensuite avec au Québec. Fox 32 on a dégagé la 26 gazonnée, on roule au parking Fresia, Sierra Whisky, novembre par 2. On va pas vertical écho, on monte 1500 pieds et on remporte vertical terrain. Extrait Oscar, toujours vertical terrain 1500 pieds. Bien reçu avec au Québec, je suis en début de vente, je suis en début de vente arrière pour la 26. Bon, c'est où il est mais je le vois pas. 11h. Ah ça y est visuel, ok. 1h. 1h, pardon. Passe à 2 là. Bonne information du Papa Oxygène qui arrive à Echo actuellement 1200 pieds, je me rends en vertical des installations 1500 pieds QNH.
Fox 1-200, on croise via Whisky. On vient de le croiser. Fox India, la piste de est dégagée, on roule à recueil de l'abri. Extrait Oscar, vent traversier pour la 26, à droite. Vol de Québec uniforme, nous sommes vertical avec le 200, nous montons 1500 pieds pour faire une verticale terrain et on s'emportera probablement en début d'intérieur 26. Notre Golf India Echo Québec en début d'étape de base à piste 26 dur. On arrive vertical, l'installation 1500 pieds, on reporte les buts intérieurs 26. Extrait Oscar, des buts arrière, piste 26 droite, ça sera pour la Gazonnée. Extrait Oscar en vent arrière. Notre en vertical là-haut. Fox Golf India Echo Québec, début de finale, la 26 dur. Sans la dure, je prendrai la gazonnée. Ah. Extrait Oscar, fin, vent arrière 26, main droite. J'ai visé elle sur le final sur la dure et je prendrai la gazonnée. Et là, une information de construction qui on arrive vertical installation 1500 pieds. Je vais me reporter en début de vent arrière 26. Donc c'est Golf India au Québec, course finale 26 dur. Donc ça va traverser 26 dur. Extrait Oscar, je tourne en étape de base pour la 26 gazonnée. Flash de Fox Québec uniforme, nous sommes maintenant vertical des installations 1500 pieds, nous nous reprendrons début en arrière pour la 26. Fox Golf India au Québec, montée initiale, votre dur. Ça va avant de faire 26 dur à complet. La montée initiale, est-ce que vous avez un visuel chute dans votre travers gauche? Le visuel Fox Echo Québec. Extrait Oscar en finale pour 26 gazonnés pour un complet. On passe devant vous, hein, Fox Québec uniforme. Et la dernière formation de construction qui vente arrière 26 pour un complet sur la dure. Extrait Oscar. Nous sommes début de vente 26 pour un complet vers 1200 pieds. Extrait Oscar, rentrée courte, on atterrit sur la gazonnée 26. Fox 2 fois, on est au parking fly en quelle fréquence. Je ne sais pas en base, 26 dur. Golf
India Echo Québec, début de vent arrière, piste 26. Oui, ça, j'ai rien dit, mais... Tant pis. Comme une fleur. La baie dans une fleur. Aussi. Pareil en finale, la France. Ouais. Vent arrière, mi-vent arrière. Ça, ça va, finale 26, dur, on atterrit. Alors, X-ray Oscar, piste 26, gazonné et dégagé, je roule pour avoir la gauche et je vous rappelle avant creusé. Et pas de qui est en base 26, pour un complet sur la dure. Et manette information du Kilo Zulu, bonjour. On est en transformation de la Foxtrot, Golf Delta, Kilo Zulu, vers 400 mètres par piste arrière, 4 personnes à bord, on débute le roulage Tango Unité novembre, jusqu'au point d'attente d'altitude. Un piaf qui respecte pas les procédures. Ah après, ça en est mat. Là, on prend un Fox Québec uniforme en étape de base, on prendra la 26 gazonnée, ce sera incomplet. Bon, il y a deux corneilles là. Alors, nous saluons nos amis d'ours. J'ai un truc qui clignote dessus, je sais. 3 minutes, quoi 3 minutes 2 minutes, ah bon. Mais j'avais pas dû effacer le... Ah bah j'ai dit bon, dis donc. Elle est basse la tour. Mais c'est pas celle de Pontoise. Ouais. Donc ça va, on libère la 26h, on va rouler novembre Tango 2 pour le parking fly. 8 minutes. Fox Yankee, finale 26h pour un atterrissage. Et du Fox Québec uniforme en finale 26 gazonné pour un complet. Golf India au Québec, début d'étape de base pour la piste 26 dur. Pour en avoir un complet. Bon allez, on va filmer Johan pour dire. Bel atterro hein. Merci. Oui mais là avec le trafic, ça m'a stressé au début mais... Il y a trop de trafic dans tous les sens. Non mais t'es le pilote, t'es le maître à bord hein. Ok, l'autre il est en course, ça va. Là il atterrit ou il décolle lui? Ah non, il y en a un qui atterrit, là il décolle lui. Non, il atterrit. Bravo Québec Nico. X-ray Oscar, je croise sur le taxiway novembre, je croise l'axe de la Gadour. 26 jours devant moi. On en a un sur... Et là, on a sur la gazonnée. 26 jours dégagé dans l'endroit 3, je roule novembre, puis Tango 2 est parti. C'est l'académie. On fait Golf India Echo Québec, finale 26 jours pour un complet. Moi, je dis que tous ces pilotes de Logne, ils sont bien bons, même en auto-info. Tellement l'habitude de la tour, tu crois pas? Ouais, tout à fait. Franchement, c'est super clean. Hein. Maintenant oui, mais au début, oui, il avait beaucoup, beaucoup, tout le monde faisait le long final. Mais maintenant, je pense, oui, à, comme il n'y a pas de tour très souvent, ouais. À force, les gens sont pas habitués mieux. Ah ouais, et puis le long final direct, c'est interdit. Hein. Oui. C'est interdit, hors, hors cadre. Hein. X-ray Oscar, un taxiway novembre, je roule à Sadi, je quitte la fréquence sur le parking 27. Et là, une information pour Fox Yankee Parking Fly Academy, je quitte la fréquence. Québec uniforme, la piste 26 gazonnée est dégagée. L'Inde Fox Québec uniforme. Par Sierra, Whisky 2, on repart à Whisky 2. Sur la droite. U. Lui s'arrête donc. Fox Golf India Echo Québec, piste 26 heures dégagée par novembre 3. On emprunte novembre et ensuite Tango 2 pour en révisionner. Voilà.
Vegas, il est vraiment au bord là. Droite. Ouais. Ouais. Ils n'ont pas. Ouais, il n'a pas bien assez reculé, mais ok. On prend de la marge à droite. Hein. Ah, c'est bon. Ça passera. Québec, Nissan, nous croisons les axes et rappelons avant novembre. C'est Oscar, à partir de ça, dis-le tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est un peu conciliable, il va falloir que je remette le bazar. Hein? T'as peur pour le tremblement? Ouais, pour le, rien que pour la séquence tremblement à la fin, il va falloir que je remette le... Attends, Johan. Pour faire la séquence d'atterrissage, c'est ça? Ouais. Bon, et ben voilà. Et ben c'est fait. Un beau vol, il me bah, semble. Déjà, tout le monde est vivant, les gars, bravo. Ouais. On a bien mangé, on a rencontré des bourguignons. Aussi, mais pas que. Bon, ben voilà. Ça fait plaisir que tu aies pu venir. Ah, avec plaisir. Tu vois, je crois, c'est super. Ouais. Moi, je connais pas, hein, c'est le sud de Paris, c'est pas trop mon domaine de vol. Ouais. Bon, tu vois, il y a des beaux coins à voir quand même. Mais enfin, il faut s'éloigner un petit peu. Oui, oui, bah oui. Parce que tu as toute une zone sur le secteur est. Enfin, tant que tu n'es pas descendu en dessous d'Auxerre, et même bien en dessous d'Auxerre, en fait, ça reste quand même assez plat. Ça, c'est ce qui est pas mal à Pontoise, c'est que Pontoise, immédiatement, tu es tout de suite dans le Vexin, c'est tout de suite très beau, quoi. Ouais. D'accord. Enfin, t'as pas à toi de. Tu voles 5 minutes, c'est bon. Quoi. Après, si tu vas sur l'Est, tu as tout ce qui est la Champagne. Donc, il y a des choses qui sont pas inintéressantes à voir. Ouais. Mais bon, après, la Seine-et-Marne, c'est vrai que c'est relativement plat. Et, tu vois, ma sensation nautique, c'était Pontoise, Rouen-Deauville. Ouais. Ouais. C'est sympa d'arriver à la mer. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Deauville, c'est un beau terrain. Bon, bah écoute. Ça a bien fait plaisir. Eh ben écoute, hein, plaisir. Tu lis combien, 45? Alors, je lis 45, 45, ouais. Et voilà, 50 heures et 45. 50 heures. Ouais. C'est 1450 heures en fait. Bon ben sur ce, on se dit à dans 15 jours. 2h17, ouais quand même. Allez, à la prochaine. 2h et 12 minutes. En tout Le retour. Le retour. Hein. Ouais. Ah, et 2h12 quand même. Ouais. De 33 à 45. Et 1h et quelques à l'aller.